Oh là là. Alors. Non. Bon, ok, c'était le Kinou. Ah, mu. Et c'est l'épisode numéro 3 de War Tales. Quand même. Je t'ai invité. War Tales, 3 Tales. Ah oui, 4. On va faire ça aussi, c'est mieux que ce que j'ai mis comme titre. Bah là, c'est trop tard. Mais 3, Wart en, là, à l'envers, ça fait 3. T'aurais pu faire 3. Non, ça fait 3. Épisode 3, T-R-A-W, quoi. Non, épisode Trao. Ouais, bah. Trao. Trao. Ouais. Non, c'est. Là, on dirait que c'est la War et la Alès. Tiens, il y a un T. Ah oui, comment c'est, pardon. Parce qu'il y a le T, en fait, il fait genre symétrie. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te crois pas. Oh là là. Bon, comment c'est? Ah bah oui, j'ai déjà commencé. Ah oui, on attend des joueurs, pardon. Alors, dans ce jeu, nous devons prospérer. Mm-hmm. Je crois que c'est tout en fait. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'histoire. Non, pour l'instant non, mais ça ne saurait tarder. J'espère. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe si ça tarde? Bon, on verra. S'il n'est pas trop dur, ça peut être fun. Ouais. S'il est super dur et en plus il n'y a pas d'histoire. Peut-être que on peut baisser les difficultés de la survie déjà. Peut-être, ouais. Les combats aussi, on a vu la dernière fois que c'était chaud. Mais bon, on va voir. On comparera. Dès qu'on, là, parce qu'on a fait qu'un seul gros combat la dernière fois, on verra si on se confronte à un autre gros combat et la difficulté est similaire, on agira. Je sais pas si on peut le faire. On pouvait pas le faire en combat, mais... Ouais, je regarde. Es-tu là? Tu es là? Ouais. Ok, je vais regarder rapidement alors du coup. Option. Général. Attends, je vais faire pause du coup. Bah non, on peut pas quand tu es dans les options. Ah oui. Bah non, il n'y a pas. Voilà. Bah non. Mais c'était pas dit qu'on pouvait modifier ça ou... Il me semblait aussi, mais. Apparemment pas. Ah bon? Si, c'était dit, vous pouvez changer ça à tout moment. Bah. Alors attends, c'est pas dans général. Graphisme. Non, ça va pas être dans graphisme. Raccourci. Non. Et audio. Non. Non, ça devrait être dans général. Et. Le menu. Tâche de. Non. Ouais, bon, bah. Les baiser. Bah, c'est. Ou alors c'est ailleurs. Ouais, faudra regarder sur internet parce que. Parce que c'était marqué quoi. Mmh. Il me semblait aussi, ouais. Mais après, on a peut-être confondu à quelque chose, non? Bah. Je sais pas. Ça serait étonnant quand même, parce que c'était assez clairement dit quoi. Ou alors c'est dans. C'est ailleurs? Je sais pas. Bref, nous n'en sommes pas là? Non. Donc nous avons Brom, Humeus, Chris et Osk de mon côté. Humeus, on devait le renommer en quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui va avoir son nom sur un personnage? Ce sera un ancien niveau 2 qui le dise maintenant ou se taise à jamais ou plus tard il pourra le dire dans 5 minutes aussi. Il peut même le dire sur la rediff. Lol. Et on se promène avec ses kits et perso toi? Jean-Jacques et Jean-Jeuc. Espèce d'enfulte, va. Alors, j'ai Derylon, Muhul et Avia. D'accord. Ok, Avia, yes. Protecteur, tirailleur et berserker. J'espère qu'il va tirer quand même là où il faut. Hein. J'espère qu'il va berserker là où il faut. Ok, alors les quêtes, on regarde la map, les missions, les quêtes, on a de quoi faire, on a ramené notre mission. On s'était rendu compte que les violets étaient celles qui étaient plutôt de la. Plus importante. L'histoire en gros. Et les rouges étaient plutôt des missions, quoi, des
les tâches. Et alors, on a aussi, je vois qu'il y a des quêtes sur là où on est, un marteau de libre, c'est le forgeron, mais apparemment, il veut pas. Peut-être qu'il faut que tu augmentes ton niveau de forge pour pouvoir prendre la quête. Bah, je pense. Parce que là, ça dit. Trouver un forgeron et ramenez-le ici. Donc, peut-être que c'est pas un forgeron joueur, en fait. Peut-être que c'est un random PNJ qui est forgeron. Ou si, c'est possible. Sinon, ah oui, on avait dit qu'on irait faire la mission, là, acheter un poney. Ouais. Et alors, on a plus de sous, là, en fait. Il y a un truc, intéressant dans le. Si tu regardes sur la carte, moi, j'avais pas vu ça. Mm-hmm. Tu as les lieux découverts, les lieux complétés. Et tu as le petit baluchon, là. Donc, c'est ça, on va dire, l'histoire, le voyage, la mission. Il y a un petit texte, en fait, qui aide à trouver un peu de sens. Des réfugiés ont fui la région voisine du royaume d'Edoran suite à des troubles. Tu vois, ça, j'avais pas capté. Dans le comté de Tilren, leur arrivée provoque des tensions. Ok, donc là, ça fait lien avec les réfugiés qui étaient dans la cave. Attends, tu vois ça où, en fait? Parce que moi, je vois sur la cave. Mettons. Ouais. Tu mets ton curseur sur le baluchon du haut. Le baluchon du haut. J'aime quand tu me parles comme ça. Tu vois, t'as comté de Tiltren sur la map. Ouais. Territoire indépendant. Pas sur. D'accord, ok. Je crois sur le baluchon global, en fait, les 20% là. Celui du haut, ouais. Je crois que tu peux regarder sur chaque objectif. Non. Et donc, d'accord. Voilà, donc je finis de dire. Donc, des réfugiés ont fui la région EM. Ah, ouais. Dans le comté de Tiltren, leur arrivée provoque des tensions. Pour faire progresser le scénario, explorer la région ou acheter des renseignements à l'informateur. Donc ça, tu vois, pour l'informateur, on avait commencé à capter. Ouais. Mais bon, voilà, au moins ça donne un petit indice, puis ça donne un petit résumé. Donc, ce qui veut dire que les villageois sont débarrassés de Bertrand. Donc il y a une histoire d'esclavagiste, je pense, sous-jacente là. Et ça explique qu'il y en a qui soient réfugiés et qui étaient prisonniers en fait dans la cave. En mieux un peu pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutaient là en fait. Ouais, logique. Ok. Eh ben écoute, du coup, je te propose d'aller faire celle qui est tout à l'ouest là, la violette, la femme d'un condamné à mort, essaie désespérément de contacter quelqu'un. Ouais, et tu sais quoi ? Quoi ? Je pense qu'à la longue, peut-être que. Enfin, à la longue. Pour changer un petit peu, je pense que je préfère. Ça peut être pas mal aussi d'avoir un scénario simple. Comparé aux scénarios souvent qui peuvent être un peu compliqués et auxquels on comprend pas forcément grand chose non plus. Ouais, c'est sûr. Genre le jeu qu'on a fait précédemment, qui était cool, hein, mais il y avait les trajets entre les lieux étaient chiants et des fois le scénario était avec plein de gens et des fois c'est complexe quoi. Avec les factions tout ça. Donc il y a des avantages aussi à avoir un truc un peu simple. Oui, c'est sûr. C'est pas pareil, c'est différent. C'est bien. Allez, aussi. Bah go west alors. Go west. Life is peaceful there. Go west in the open air. Ok. Et j'avais oublié de me raboter le cul dans ma fenêtre. Voilà. Quoi ? En fait, c'est que là, je suis dans une petite fenêtre en haut à droite sur le stream. Ouais. Et en fait, là, tu vois, là, mes bras, ils dépassent pas du cadre, en fait. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai mis un masque, tiens, un truc à l'autre, là. Non. Si. Ouais. Il y a un loup dans les bois, t'as vu ? Non. Putain, je peux pas passer à côté de la charavette. J'ai pas vu le loup, là. C'est pas grave. Mais un petit loot. Oh. Ah, il y a un igloo. Enfin, ah cool. C'est là. Camp des trackers de terre. Je regarde la map. C'est pas là qu'on doit aller en fait. Attends, mais on peut regarder si on peut y aller quand même. Allez. On va regarder puis ensuite on se barre. Ah, on peut rien. Ah si. Maître tracker Brennan, druide Segantens. Tiens, il y a du chanvre là. Paf. Il y a du bois. C'est moi le coupeur de bois. Je coupe le bois. Yes. Fermé. Ah putain, comment. Ah oui. Tu coupes bien qu'un con, ça. J'essaye. Ah merde, putain. Il part le cercle. Ah. Aïe.
Okay. Mmh. J'ai coupé en quinconce. Et puis Veneuse Béga. Eh ben écoute, on parle à qui tu veux, tu cliques, c'est toi. Allez. Eh ben. Tu cliques. Je vais parler à celle qui est debout. Maître Tracker, Brennan. Ok. Ah oui, ouais, pardon, il faut maintenir. C'est peut-être des recrues. Name's Brennan, Master Tracker. Our brotherhood is tasked with the culling of all the wild beasts on the continent. We reward hunters for their kills and protect the common folk from these vicious animals. Cool. Ce qui est bien, c'est qu'on entend les voix. Oui. J'aime bien. If you want to join us and learn from us, you'll need to prove your worth and take part in your first hunt. Est-ce que on s'éparpille peut-être pas trop? Après, on n'est pas obligé de. On peut prendre les quêtes sans les faire aussi, quoi. Il faut... Je pense que c'est peut-être pas le jeu où il faut se mettre dans la tête qu'on va finir toutes les quêtes qu'on a dans notre journal, quoi. Ouais, donc, peut-être. Okay. On peut la prendre, voir si c'est fun ou pas, ou j'en sais rien, ou comme tu veux. Mais... Ok, ok. La par contre, si c'est un truc qui se lance direct, c'est. Ah ouais. On va voir. Hein. C'est ce que je me suis dit. Mais non, je pense pas. Alors, je vais parler à Veneuse. Ouais. Don't even bother trying to sell me your filth. I am in need of fangs to accomplish our ancient rituals. Ok. Alors, je crois que je t'avais dit que peut-être que je te le dirais pas, mais disons que Chris a les doigts qui la démangent. Et la mue fait ah non. Qu'est-ce que t'as dit là? Chris a les doigts qui la démangent. Alors ça les gratte un petit peu? Ça les gratte un petit peu. Je comprends bien. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Faut qu'on parte. On peut partir. C'est bon. D'accord. Au revoir. Au revoir. Hein? Oh merde. Oh, il y a du bois là, je vais looter le bois. Okay, alors, donc, je peux te dire. Tu veux que je te dise ou on continue roleplay? Non, vas-y. Alors, je mets la pause. Tu vois la barre en haut avec l'étoile? Ouais. 90 sur 100? Ouais. C'est le soupçon. En fait, j'ai volé un truc. Ah, sa mère. Et en fait, j'ai volé un gros truc, donc ça nous a mis à 92 sur 100. J'ai fait « Oh, putain !» Donc ça, voilà, ça diminue avec le temps. Je lis le truc. Une forte suspicion vous rendra recherché par la garde et il faudra payer pour vos crimes. Niveau de recherche, il y a 3 étoiles. Je sais pas si elles sont pas remplies, je sais pas. Il y en a 5 pour moi. Oh, 5, pardon, ouais. Ah non, j'en ai... Ouais, elles sont toutes vides, j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais. Plus votre niveau de recherche est élevé, plus la garde renforcera ses patrouilles. Vous n'êtes pas recherché par la garde actuellement, tu vois, donc ça va. C'est-à-dire que si j'avais atteint 100, on aurait une étoile pleine. Voilà. Ok. Ça laisse effectivement, ça laisse de la marge. Voilà. Et. Alors, attends, je regarde si je peux pas faire un truc. Bon, tu fais quand même bien chier. Ouais, mais bon, tu sais ce que j'ai pris? Le non. Plan d'un croc acéré, un couteau. Qui fait coup critique quand les cibles augmentent, qui saignent augmenté de 10%. C'est un plan en fait pour faire des. Pour crafter quoi. Ok. Tiens, il faut qu'on aille par là en fait. Ah oui, je te suis. Tu te téléportes. Ah, on peut pas. Ah non, par là, non, on peut pas. Bah alors du coup, par où? Ton cul. Faut faire le tour comme ça là? Non, je pense pas. Ouais, elle m'appelle, donne quoi. C'est au sud là qu'il faut qu'on aille, c'est ça? Là, il y a un lac en fait. Ouais, mais c'est. On doit faire le tour du lac en fait. Bah, y a pas le choix. Hein. Ou alors on passe par le nord quoi. Tu vois la map? Ah, moi je pense que c'est par là. Hein. Ok, c'est ça. Bah, c'est le loup. Non? Ah, ok. Par contre... Ah non, c'est un truc à looter, ça. Oh, il y a la garde, là. Faut peut-être pas passer à côté. Non, on est à 83, hein. Ça baisse, hein. Ouais, je sais bien, mais je sais pas si jamais ils peuvent... Si on passe à côté, tu sais, suspicion augmente, je sais pas trop.
On peut passer par les champs. À mon avis, les bois, c'est dangereux. C'est pour toi Non. C'est pour toi, le bois? Tiens, il y a des loups, là. Ah oui, ils arrivent. Oui, c'est pour moi, ouais. Ok, je te mets du bois, alors. Tac. Pouf. Ah, commence à faire nuit. Ouais, on va devoir peut-être pioncer. C'est par là, hein, je pense. Ouais, je vais juste looter un peu, là. Vas-y, je t'accompagne. Oui, et je pense sinon que, à mon avis, on n'a pas à s'inquiéter trop du nombre de jours qui passent, en fait, je pense. Ouais. Parce que sinon, le jeu nous mettrait devant... nous stresserait un peu plus que ça, en fait. Je pense. Du genre... Il y aurait une raison de ces gens... vous devez finir d'accord, ça... On n'est peut-être pas obligé de dormir, quoi. Ah si, je pense qu'il faut dormir. Ce que je veux dire, c'est que le temps, il passe vite. Et au début, moi, ça me stressait. D'ailleurs, il faut qu'on dorme maintenant, parce qu'à mon avis, si on dort trop, on dort pas, après, ils sont pas contents, les gens. Ah ouais, c'est vrai. Alors, atelier... Ah oui, c'est toi, le bricoleur, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est pour toi, ça. Bricoleur, ouais. Est-ce que tu peux l'apprendre ou... Bricoleur apprenti, requis. Ah, t'es peut-être pas apprenti encore. Ouais, je suis pas apprenti encore... Okay. Bricoleur. Bah, tu peux me le redonner parce que tant qu'il reste avec moi, je crois que je vais blanchir le truc en fait. Ouais. Donc je te le donnerai quand il sera plus rouge. Ouais, c'est ça, c'est que ça se voit qu'il est volé en fait. Je le mets dans le fond de mon inventaire comme ça en espérant qu'il le voit pas. Ouais. Tu mets pour les repas, c'est ça? Ouais, ça marche. J'ai commencé, moi je sais pas si tu vois. Ouais, si, il y en a deux déjà, deux champignons. Merde, attends, putain. Ah oui, il faut que je les mette dans mon inventaire d'abord. C'est ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ok. Je sais pas qui va être cuistot, mais... Hop. Hop. Atelier, bricoleur. Hop. Confirmé. Alors, je peux faire des crochettes pour les coffres. Tiens, je vais faire un hameçon de pêche, tiens. Parce qu'à mon avis... Okay. Tu me dis quand ça, tu veux que je lance leur peau, du coup. Ouais, bah, attends deux secondes. Je vais en faire... Hop, hameçon de pêche. Ah, notre connaissance a augmenté quand t'as fait ça. Pas la connaissance, ouais. Mais le... Si, c'est la connaissance. Je vais faire une corde. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, je sais pas, ça peut servir. C'est toujours bien de... Bah ouais, je pense que c'est bien dans... C'est pas pour craft après, en fait? Ouais, si, je me rappelle qu'il fallait de la corde pour, je sais pas quoi, une torche. Je peux faire une torche, non, il me faut de la graisse. Mais je vais faire un crochet. Il faut de la graisse. Merci. Ok, niveau 2. Enfin, on a 2 points de plus. Ouais, la progression, ouais. Voilà, tu gagnes des points de connaissance. Tu vois, crochet, j'en ai fait un, est-ce que j'en fais un deuxième? Je peux faire un python aussi. Enfoncé dans la roche, le piton permet d'accrocher une corde. Je vais sortir de là pour voir des trucs aussi, parce que j'étais sur l'écran de repos. Enfoncé dans la roche, le piton permet d'accrocher une corde et de descendre des hauteurs escarpées. Ah ouais, ça peut le faire. Hein. Ouais, je vais fabriquer. Comme ça, on aura, si jamais on a besoin, parce qu'il faut un atelier pour faire ça. J'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je peux refaire un autre crochet au cas où, parce que c'est bien d'en avoir, puis je vais garder le reste. Oh! T'as vu que tu peux aussi, avec les points de connaissance, tu sais, pour l'instant, on avait monté nos connaissances, genre, tu sais, rationnement, restauration, tout ça. Ouais. Mais on peut aussi acheter des méthodes de craft. Ah ouais. Par exemple, là, pour le bricoleur, pour l'atelier, en fait, je peux prendre le plan fonte. J'imagine pour avoir... Ouais, harnacher un animal, c'est sa coche, permet de répartir le poids de la charge supportée, transport plus 10. Ok, bah, c'est bien. Et enclume, targe renforcée, 7 de forgeron apprenti 3, 7 de forgeron apprenti 2, apprenti 1, apprenti 4, apprenti 5. Ouais, putain. On fait connaissance pour l'instant ou... Ouais. Ou tu veux du craft? Ah, il y a autre chose là. Feu de camp. Vous pouvez utiliser le feu de camp pour payer et nourrir votre groupe, compagnon assigné. Génère un de bonne matériel de camp. Petit atelier.
atelier. On peut apprendre à construire l'atelier ou... Putain, une tente ? Oh, on va pouvoir faire des bâtiments, en fait, j'ai l'impression. Là pour où on est, en fait. Ouais. Pas mal. C'est cool, ça. Coffre de camp. Ça va nous donner des bonus, j'imagine, pour après. Ouais, j'imagine. Plaque d'armure légère de poney. C'est toi, le poney. C'était la plaque. Ok, alors, qu'est-ce qu'on prend ? On a... Ce que tu veux. Alors, on a coût de recrutement des compagnons réduit de 10. Transport, on s'en fout. Compagnons sont prêts en des coûts de maximum de points de bravure augmentés de 1. Ça peut être pas mal aussi. Ouais. Augmente de 1 le nombre de contrats. La jauge de soupçon se vide 10% plus rapidement. Ça peut être bien, ça. Orientation. Votre troupe peut indiquer un objectif sur la carte de façon à pouvoir se repérer. Cannibalisme. Donc soit les recrutements, le point de bravoure ou l'orientation, qu'est-ce que t'en penses ? On a deux à prendre parmi ces trois-là, quoi. Le point de bravoure et... Je suis en train de regarder. Et l'orientation, peut-être, parce que le recrutement, je sais pas si on va recruter quelqu'un tout de suite, je sais pas. Ouais, voilà. Point de bravoure. Ouais, point de bravoure et orientation, ouais. Moi, ouais, je pense aussi. Ok. Tac. Et orientation. Tac. Donc, il clique droit de façon à pouvoir se repérer. Ok, bon, on verra bien comment ça marche. T'es prêt à dodo ? Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti. Faut que tu viennes accepter, sinon je force. Ouais, c'est bon. Je pensais que... Parce que moi, j'avais plus la fenêtre ouverte, donc... Vous avez récupéré le point de bravoure, le bonheur, blablabla, mama, blablabla, blabla. Blabla, ok. Allez, go. C'est quoi, ça ? Ah oui, hop là. Ok. Cool, alors, clic droit. Ça n'a pas l'air de marcher, hein. Leur truc. C'est par là qu'on doit aller, ouais. Ouais, c'est là. Peut-être au village là. Il y a du bois là. On a gagné un autre point. Lol. Ah ouais. Alors, je mets la pause, attends, je le prends. Est-ce que du coup on prend. Ouais, c'est ça. Hein. C'est... Le recrutement. En tout cas, ferme prospère. Oui, vas-y. Ferme prospère. Si, c'est là. Ok. Eh ben, go. On a oublié le F5, mais pas grave. Ah, elle est violée. On peut le faire, non ? Ouais, vas-y, cause-lui. Non, sauvegarder. Ah, là ? Sauver, yes. Maison, tiens, hop là. Vas-y. Alors, on va pas parler au principal pour l'instant. On va parler à... Je remarque que principal, c'est le chef. Donc si, on peut parler à Rétula. Ouais, je pense. Bah non, ouais, elle est violette, donc c'est elle qui va déclencher la quête, ça c'est... Ah ouais, bon bah je pars à l'autre là. Sorry, I shouldn't have agreed to this, but we'd run out of food. We were starving. Ok. Ok. Tiens, attends, juste un truc, je vais regarder la quête qu'on a prise là. C'était les crocs de Sika, c'est ça ? Trouver et tuer Sika en utilisant les indications contenues dans l'objet track de Tiltren. Non, c'est pas ça. Non, le chasseur, non. Je sais pas. Si, c'est ça. Ok, bon. Je sais pas, c'est bizarre la quête. Ok, vas-y. On parle au chef. Ok. Do not take pity on this scoundrel. He fled his home country to come and steal our crops. Mm-hmm. Ah, c'est celui-là qui est à côté qui est. Leech will be strung up for his crime, and soon we'll all sleep easy. J'y cause. Ouais. Are you mercenaries? Oh, blessed be the all-seeing eye! You are our last hope. I swear I will find a way to pay you. Mm-hmm.
You must warn my husband's friends. They need to come and help him. Yes, ask them to come. If only they could speak in his favor. Reason with the people who want to kill him for a handful of grain. Bah oui, hein. Bah oui. My husband only told me that his friends live north of the lake, not far from here. Please come back quickly. On n'y était pas. J'ai pas l'impression. Okay. Elle a dit north. North of the lake, on est parti au sud du lac, non? Ah, je sais plus. Avec la map qui tourne, je me. Ouais. Oh, je peux voler du. Non. Non? Tu veux voler du blé? Je t'ai vu, hein. De toute façon, tu le sauras, t'as pas à le savoir. Coucou Avia! Hey, salut Avia. Alors, au nord du lac, faut refaire le tour du lac. Est-ce qu'on peut passer par la gauche, peut-être? Merci, que la force de mai soit en toi aussi. Que la force de mai, oui, c'est vrai, May the Fourth. Oh, il y a du loot. Champi. Prochain repos, vous devrez faire C89 à vos compagnons. Oh, eh putain. Bah. Pourquoi on a 43 en rouge, là? Que? Tu vois, en dessous de nos thunes, la vigile, ah ouais, quand on a des thunes à gagner, ça met en vert. Là, c'est en rouge. Quand du lac, c'est peut-être là? On va peut-être vendre des trucs, alors. Ça doit être... faire des quêtes. Ouais, bah, il va falloir. Hein. Il va falloir y aller un peu plus vite, faire des quêtes. Je parle à Elisabeth. Ça marche. Je t'ai vu. Ah bon? Ouais. Comment? J'ai rien fait. One of our new recruits hasn't returned from his first assignment. I'm starting to worry. Stealing grain should be quick and easy. Something must have gone terribly wrong. Quoi? He probably just got delayed. He seemed capable enough. Ah oui, bah c'est le. Justement, il parle de ceux à qui il nous enfilait la mission, en fait. Ouais. Bon, allez, un ami est sur le point d'être pendu. Oh, caught red-handed on his first try. I never should have recruited a simple farmer. He just doesn't have it in him. He cannot hang by my fault. Pack it up, lads. We are leaving. As for you, come and meet me at the farm. We could do with your help. Okay. Cool. Bah, tu peux peut-être chourer alors, du coup, maintenant s'ils sont partis. Ouais, c'est pas con ça. Oh là là. Ah bah oui. Même pas besoin en fait. Ah. C'est gratos. Y a rien d'autre. Je vois que ça là. Ouais, y a que. Non. Je vois pas d'autre. Ok. Vous êtes combien de gens? On est 6 plus un poney. C'est toi le poney. Mu à 3 persos, dont toi. Ouais, j'ai Avia. Oh, c'est trop bien, on les voit se déplacer aussi. T'as vu? Y a pas moyen de pêcher. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est cool. Y a pas moyen de pêcher, putain. J'ai des hameçons. Chier. Tiens, regarde ce que j'ai chopé. Attends, je vais mettre ça là plutôt. Merde. On sauvegarde parce que là on va se bastonner, je pense. Ouais, tiens, regarde. La bibine. Sauvegarde. Et tu mets ça où? Right. J'ai mis. Ok. Bah t'as pas vu ce que j'ai mis dans le coffre? Ah non, parce que je suis en train de me déplacer, j'avais pas le coffre ouvert. Ah, moi je l'ai toujours ouvert, moi, en fait. Ah ouais. Eh non, je voulais pas combattre. Avia, c'est la guerrière. Je sais pas, c'est quoi ton. C'est quoi Avia? C'est pas une. Si, c'est guerrière, ouais. Avia, c'est une berserker. Ok. Alors, avant de. Alors, qu'on se rappelle, donc, là, on est en mode. On déplace les persos. On les place, pardon. Et une fois qu'on en aura déplacé un, ce sera fini pour le mode placement. D'accord? Tu te rappelles? Ok. Alors, on a. Ils sont combien en face? 1, 2, 3, 4. Hein? Allez, ils sont que 3? Putain, ouais. Ils sont que 3? Les boules! Ok, alors je vais mettre Chris derrière. Ils ont un truand, un braconnier, donc un archer. Et ils sont niveau 1, donc bon. Il va y avoir une deuxième phase, c'est possible. Il n'y en a pas ailleurs? Sur la map.
Non, moi j'en vois pas. Ok. Dac. Alors oui, c'est vrai qu'on a les nouveaux persos. Brom. Ah oui, Brom il a un shield maintenant, c'est vrai. Et Umeus. Ok. Ou alors Brom part sur le. Tiens, voilà. Genre, on va faire comme ça. Un tank de chaque côté. Et puis, puis voilà. La fufu derrière et puis l'archer en face de loin. Bien, ouais. En face, limite derrière les. Bah, la hauteur en fait. La hauteur c'est très bien, ouais. Oui, voilà, comme ça. Là, je suis un peu plus proche de l'autre archer, mais bon. Et d'ailleurs, c'est l'autre archer qui va jouer en premier. Ouais, donc peut-être que je devrais m'éloigner. Potentiellement, ouais. Ça fait loin quand même. Ouais, mais ça dépend si tu ouais, joues. Ouais, non, mais on va laisser comme ça. Ok. Donc, je propose que toi, c'est toi le main tank, c'est toi qui fonce. Puis je te rejoindrai après avec Brom. T'as plus de PV derrière, c'est bien. Carrément. Ouais, carrément. Allez, go. Et t'as 30% de tanking, moi j'ai que 10. Allez, on va se mettre comme ça. Parfait. Ah, ça fait mal. Hein. Mmh. Ok, donc j'avance l'autre tank, moi, quand t'auras passé ton tour. Ah oui, c'est vrai. Ok. Alors, et puis faut pas oublier, on dépense des points de bravoure que vraiment s'il y a besoin. Ah ouais, je pense. Ouais. Je peux aller sur le. Je passe sur l'archer direct, je fonce sur l'archer. Hein. Oui, je pense que c'est mieux. Parce que comme ça, il pourra pas jouer, lui. L'archer, bah, c'est celui qui joue en premier chez les vilains. Mais ah, on avait deux tours avant en fait. Oui, oui, c'est... Alors. Ok, c'est ça qui coûte. Voilà. Et puis. Voilà. Tiens, nickel. Il est obligé de taper encore à corps parce que sinon il se prend un coup. Alors là, on a deux persos à nous qui jouons. Donc je peux soit prendre Chris et peut-être aller bastonner l'archer ou alors le truand, lui en passer dans le dos. Vas-y, puis moi, ma berserk, elle va pouvoir y aller aussi après sur celui que tu n'auras pas choisi. Lequel à bah, ton avis ? Moi, en fait, moi, il faudrait qu'elle aille. Tu vois, il faudrait qu'elle aille là, quoi. D'accord. Je pense. Ouais, voilà, bah, je peux faire que ça de toute façon. D'accord, donc tu la joueras juste après, ok, ça marche. Ouais. Ou alors, tu veux tanker l'autre truand en fait, toi, c'est ça? Avec ton. Ouais, ou lui faire super mal. Avec Avia. Ouais, ouais. Et ben. Bah, tu y vas en premier, comme ça, tu prends l'aggro en fait. Et après, moi, je vais t'aider, puisque tu tankes pas, comme ça, on le tombera plus vite. C'est pas con ça. Ouais, ouais. Tac. Donne un bon gros coup qui fait mal. Déchaînement. Tiens, on va faire comme ça. Ah, t'as cramé un point de bravoure. Ah putain, mais comment je. Mais c'est pas grave. Ah, hein. Oui, ouais, fais chier. T'inquiète, c'est pas grave parce que. Attends, je vais séparer. Je peux pas les séparer ? Non, je peux pas les séparer. Non, on peut pas les placer, je crois. Ah, fais chier. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais. Là, on en a à chier, donc c'est bon, on va en bien en gagner un, tu vois. Ok. Ah oui, faut que je passe mon tour. C'est ça. Ok, ensuite. Je la ramène derrière. Ni vu ni connu. Bon, en tout cas, j'ai bien fait mal. Hein. Oh là là ouais. Oh là là, Marc, merci beaucoup pour le raid. Voilà. Bah, tu vois, à la limite, c'est autre chose que j'ai. Ouais, non, carrément, ouais. Je pense que c'était très bien joué là. Ce qu'on a fait. Ok, bah, et puis voilà. Bon, ensuite, il nous reste. Donc là, il faudrait qu'on t'atteigne celui qui va jouer là. Le truand. Fous-lui une flèche dans le cul. Ouais. Que le braconnier, il peut pas nous. Je peux que. Non, si, je peux que tirer sur le braconnier, je suis trop loin pour les autres. Ah bah tant pis, alors le braconnier là. C'était mon maximum. Ok. Ouais, il lui faut plus de mouvement, je pense à. Ouais. Ah bah tiens. Ah bah. J'ai raté. Ouais. Chef. Bon.
Humeus, c'est avec une fourche. Faut, je te préviens. Ah, les dégâts sont doublés si elle est à distance, tiens. Ah, faut que je regarde comment ça marche. Si les dégâts de quoi? Bah, les dégâts des lances. Enfin, là, j'ai empalement. Ça fait 6 8 de dégâts à la cible et la repousse de 1 mètre. Les dégâts sont doublés si elle est à distance. Ok. Comme ça, là. Ouais, t'as la longe. Bah, c'est normal en même temps. Ouais. C'est fait pour. C'est cool, j'aime bien. Ouais, c'est pas con ça. J'aime bien. Ok. Pif. Remarque. Stance, je valide. Stance. Comment va monsieur Marcadet? Je rejoue avec mon... Peu importe, là, de toute façon, ils vont creuser. Oui, oui, bah tu peux. Enfin, je veux dire... est-ce que tu le tues avec ton tank? Parce que moi, je le tue avec Humeus, quoi. Tu vois. Mais ouais, tue-le, alors. Tue, ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Ah, j'adore. Les adversaires sont démoralisés. Laissez partir. Bah, non. Non. Ouais. Bah, non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 là, non, mais je pense qu'au bout d'un moment, vu que dans le jeu, en fait, à un moment donné, il faudra qu'on les laisse partir pour que ça speed un peu plus, quoi, je pense. Peut-être. Mais là, non, non, c'est cool, on se remet dans le bain et tout, donc... Ok, et bah écoute, moi je vais, de toute façon là, comme tu le sens. Ah, il faut que tu finisses ton tour. Est-ce qu'il joue de la flûtine et est-ce que ça le revitalise? C'est ça là, ma question. Il y a des trucs à la gueule de Sylvie comme d'habitude, lol. Tiens, passe ton tour et moi je vais aller dans le dos du, dans le cul du l'autre là. Comme ça, je surkiffe ce perso. L'assassin. Il fait tellement mal. Il a fait mal même à Derrylon derrière. Oh merde. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Sérieux? Ouais. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. Oh pardon. Bah, c'est... Ah, c'est ma faute là. Non mais j'aurais pas. C'est genre... de la. Bah oui, ça tourne, ça fait tourbilol en fait. Bah oui, tourbilol, ça fait mal aux gens. Bah j'ai pas. Non mais c'est bien, ça, c'est bien qu'il y ait pas non plus de. Qu'il y ait du tir ennemi, c'est normal quoi. Enfin, ça me paraît logique. Ouais, mais du coup, c'est pas top le couteau parce que je peux pas faire autre chose en fait. Ouais, mais tu vas pouvoir peut-être développer un autre type d'attaque et choisir. Prochain niveau. Ok, paf. Et puis bah, tu peux le finir. Tiens, on a eu un point de bravoure avec ça. Ah non, à dépenser uniquement pendant ce combat. Tiens, bah, utilise un point de bravoure alors, c'est cadeau. Juste pour le fun. Ouais, parce que là, Kourou, inflige un dégât à la cible s'il lui reste moins de la moitié de la santé. Ah bah tiens. C'est Avia ça. Ouais. Défonce. Alors, j'ai personne à soigner. Ah bon? Je pensais que t'avais perdu des points de vie avec avec ton perso. Je répare les armures. Ça c'est pour toi. Et journal de bord. Ça. L'eau et le sel ont grignoté les pages et les mots de son propriétaire. Donc c'est un truc à vendre en fait. Gardez là. Et puis une dague abîmée. Dextérité plus 3, compétence empoisonnement. Dextérité plus 3. Non, elle est moins bien. Okay. Pas besoin de dague, toi, par hasard. Non. Okay. Tu es beurre sec. Hein. Tu es beurre sec. Tu aimes le beurre sec? Je préfère le beurre salé, moi. Ok, bah, y a pas besoin de soigner alors. Je mets la pause. Je dois level up avec Chris. Rapidement. T'as vu qu'il y a... Il y a encore l'icône... l'icône voleur sur la ferme? Ah, parce que c'est là qu'on a volé des trucs. Je crois, non. C'est ça? Non, je sais pas. C'est sûr. Non, c'est peut-être pas là, je sais plus. Peut-être... Alors... Bah, tu passes son niveau, puis on verra bien. Ouais. Ah, je peux choisir une chouquette. Non, une chou-classe. Alors, j'ai égorgeur. Oh, j'aime bien ça. Frénésie, inflige 5-7 de dégâts à 5 à 7 de dégâts à la cible. Et ça coûte 2 points de bravoure. Embuscade effectue 2 attaques supplémentaires. Stratège, écran de fumée, ça coûte 1 point de bravoure. Force les ennemis engagés dans la zone à se désengager. Ils subissent une attaque d'opportunité de leur adversaire, putain. Ouais, c'est pas mal ça. Et fiole de poison applique 4 poisons à toutes les unités dans la zone.
stratège. Moi, je préférais prendre égorgeur parce que je la vois bien en assassin, elle. Si ça te dit. Si ça ouais, vas-y. Hein. Ok. Voulez-vous que Chris devienne un égorgeur? Oh oui. Pardon. Je vais lui mettre un point en dexte. Et voilà. Merde, j'ai peut-être dû lui mettre un point en crit, en fait. Alors. Ok. Alors, il y a toujours le... Ah oui. Il y a quoi, là? Ah oui, on peut toujours... Bah, c'est peut-être la suite, en fait, du combat. Là, je pense. Je vais sauvegarder. Fight, écraser, yes. Ok. Eh ben, ouais, go. Bah ouais, go. C'est go. Ça, on rejoint le fight, en fait, avec... Release the refugee immediately. Ah, le premier fight, en fait, c'était un truc random, en fait. On s'est fait attaquer, ah, en ouais. fait. J'imagine que vous avez essayé le nouvel Aspicha. Fais gaffe, il mouchette un peu. You brought bandits, mercenaries. Are you willing to let them slaughter us to save a thief? Ouais, moi j'aime bien les voleurs. He's just a desperate farmer. Let him go, and no harm will come to you. Who's to say you won't be back in a few days to plunder our supplies? No, we won't let any of you leave. Hmm. Ah ouais. Very well. Have at you. En garde. Merde, j'ai pas cliqué. Mercenaries, whatever those thieves promised you, I can pay you much more to defend us. We'll even forget you were ever involved in this. Ah, il va peut-être falloir choisir en combat qui on veut. Ah, ok. Oula. Ah. Alors, on affronte soit le capitaine du chef du. Le... Ouais, donc le hameau, soit les meneurs. Ok. Niveau 3, hein. Ouais. Ils sont 6 de chaque côté, mais ouais, ils sont niveau 3, mais on va avoir les autres dans notre, de notre côté. Peu importe le choix qu'on fait. Oui. En gros, est-ce qu'on prend... est-ce qu'on fight du côté des bandits ou du côté de la loi? Bah... Là, on était parti pour fighter du côté des bandits, non? Bah, il nous a... On est parti prévenir, ouais. Mais... Mais on est... Mais ça nous a pas fait. On est parti prévenir, comme quoi il y en avait un qui était. Disons que si on faille du côté des du capitaine là, de la garde, et ben ça veut dire qu'on est d'accord pour qu'il pende le fermier qui a volé un peu de grain, quoi. Mmh, effectivement. Ouais, t'as raison, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ok. Et puis en plus, si on bute la garde, on aura plus d'armure. Ils ont l'air d'avoir des armures lourdes. Ouais. Alors attends, obtient sangle adaptable. Et l'autre obtient morceau de savon. Ah non, donc faut cliquer sur le chef du hameau. Affronter le chef du hameau. Ouais, allez. Démarre le combat. Qu'est-ce qui se passe si on répond des trucs différents? Oh, peut-être qu'on peut se combattre? Ouais, c'est grisé. Non, c'est grisé. Ok. Personnages importants. Certains personnages qui vous accompagnent sont importants. S'ils meurent, vous devrez relancer le combat. Protégez-les. Ok. Putain. J'aime pas trop ça. Non. C'est qui le personnage important? C'est Isabeth. Ah bah, Isabeth. Oh, puis en plus, c'est une assassine, donc... c'est ça, meneur niveau 3. Elle va... Ah, elle tape en zone aussi, hein. Alors, on a qui en face? Fantassin, lieutenant, phalange. Ils sont combien? Ah oui. Il y a un... Oh, mule, il est pas du tout placé où il faut. Ah, mais il y en a, ils sont tout autour, attends. Ah oui, Isabeth est là, d'accord. Oh, il faut foncer. Isabeth... Oui. Isabeth, c'est une alliée? Ah ouais, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut... regarde, Ah ouais, non, ok, j'ai rien dit. En fait, il y a un groupe de 4 et un groupe de 2. Putain, ça va être chaud, hein? Ouais. Coucou Momo le Viking, bienvenue. Salut. Ça va être chaud, chaud, chaud. Fantassin, lieutenant, phalange. Et là-bas, Audi, fantassin, lieutenant, phalange. Mais non, mais ils sont... Ils sont 7, en fait. Ah ouais. Ou alors... Fantassin...
pas sûr de trop bien comprendre là. Il me semblait que c'était 6 de chaque côté, non? Bah, c'est ce qu'on avait lu. Ouais. Truand derrière. Non, mais dans ce lot-là, il doit y avoir. Ah, ils ont une barre de vie verte, les alliés. Emmaüs, Mule, Brom, Derylon. 1, 2, 3 ici. On n'a pas beaucoup d'alliés, 4. J'ai l'impression. Ah non, il n'y a que deux alliés en fait. À moins qu'il y en ait qui soient loin. Non. Putain, les grandes navas. Comment on peut gagner ça? C'est pas un peu chaud là? Si. J'arrive sur une stratégie gagnante ou perdante. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est ou gagnant ou perdant. Mais je pense que dans un premier temps, ça va être très perdant là. Qu'est-ce que t'en penses alors? Bah en fight. Ouais, mais comment on se place où Bah, au milieu. Au milieu? Oui. Avec l'archer aussi? On n'a pas de place sinon. Bah sur la boue là, près d'Isabeth. On pourrait se déplacer, je sais pas, par là. Attends, je cherche mes persos, c'est pas facile. Ouf. On est au milieu quand même. Hein. Au milieu, un peu en dessous quoi. Mais ok, d'accord. Là, je sais pas. Hein. Ouais. Je demande pour ça. Non mais attends, je sais pas. Il faudrait que, par exemple, on peut déplacer Isabeth aussi. Si on se met de ce côté-là ou de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y en a que 3. Là, on en a 4. Il faudrait se mettre vers le truand, en fait. Ah, je sais. Alors, je vais mettre... Où est-ce qu'elle est, Chris? Je vais mettre Chris là, avec l'autre truand. Et je pense qu'il faudrait essayer de rusher Odile. Odile! Khan! Ouais. Peut-être que... Non, Mule, il est bien. Faudra faire gaffe, il y a un piège à loup, t'as vu? C'est pour ça que j'étais pas trop chaud pour aller en bas. Mais il est pas, y a pas de rayon d'action trop grand, donc ça devrait être. Ouais, non, mais c'est pas bête hein, en fait aussi d'aller ailleurs. Hein. C'est pour ça que je demandais qu'est-ce que t'en penses. On va tester, on teste comme tu dis. Puis, attends. T'avais l'air d'être plus convaincu que moi. Non, je sais pas, tu penses aller. Tu penses aller attaquer qui là? Eh ben. Si on prend en tenaille, j'avais pensé. Comment charger Audi quoi. Ouais, c'est, enfin, c'est bien. Le groupe d'Audi quoi. Ouais, carrément, ouais. Ok, donc toi tu charges ça. Isabeth, là, faut peut-être la pousser en fait pour pas qu'elle. Je vais la mettre. Ah, elle est là. Je la mets là. Non, elle va aggro là aussi. Brom. Ah, ouais, en fait, je pense qu'il faut mettre elle là. Non, parce que l'autre, il va lui foncer dessus. J'essaie de la protéger, en fait. Je sais pas trop comment la protéger, là. Si je mets... Non. Ouais, bah je sais pas trop. C'est vraiment des positions de merde. Oui. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est surtout en fonction de comment il bouge. Ouais. On va voir comment il bouge là et qui est-ce qui focus. Et puis en fonction, on s'adapte ou alors on rejouera. Quoi. Ça, est-ce que, ouais, ça marche. Ok. Bon, et ben. Donc qui va jouer en premier? C'est le fantassin. Et on a dit qu'on irait sur. De toute façon, il faut que ça soit un des tanks. Il faut que ça soit toi qui joue en premier. Donc vas-y avec Derylon. Ouais. Est-ce que je peux atteindre? Je peux pas atteindre. Je peux. Si je veux taper direct, je peux. Voilà. Je peux même pas, je pense, taunt. C'est en mêlée, taunt. Donc je vais pas pouvoir de la taunt si je la touche pas. Ah. Ouais, mais. Tu vois? Tu peux pas arriver à côté, en fait, c'est ça? Non. T'es à mauvaise place alors. Il faut que tu bouges. Tu peux... Si tu me mets à la place de Brom là. Ou de Meus. Ou de... Ouais. Non mais... ouais, et si tu te mets là. À la place de Brom. Regarde. Là. Là où je me mets. Ouais, voilà, exactement. Parce que là, tu peux l'atteindre. Ouais. Ouais, je peux. Ok.
Alors, juste, je regarde vite fait. Ok, tac. Cool. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez ça, c'est un passif. Okay. Donc là, on a un point de bravoure cadeau, en fait. Ouais. Donc lui, bah, il va taper... ouais, c'est ça. Il est... taper Avia. Et toi, il va les taper dans le dos. Chic. Ok, alors, ensuite, il faudrait que je joue l'autre tank. Est-ce que j'ai un taunt sur... Ah, j'ai pas de taunt sur... Ou alors... Ouais, je peux pas, on peut pas jouer les deux assassins pour l'instant. Les trois même. Fléchis. Ouais, bah, il faut que j'aille tanker un truc. Alors, où est-ce que je peux aller tanker? Donc je peux aller en face du... Tu vois mon... De toute façon, tu vois où je me déplace là. Ouais. Donc je pourrais aller tanker le machin là. Je peux aussi aller tanker les deux là-bas. Moi j'irais peut-être, comme on est plus, j'irais tanker les deux là-bas, parce qu'on a l'air d'être plus... Ouais. Ok. Je pense qu'il vaut mieux protéger Avia. Ouais, ou alors... Ou alors aller à côté, quoi, tu vois, pour bloquer le passage, comme tu disais, ou soit derrière, ouais, soit derrière comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, du coup, je peux utiliser un des points de bravoure cadeau, là. De toute façon, là, il va pas falloir faire la fine bouche avec les points de bravoure, je pense. Ouais, c'est clair. Alors, je peux faire inflige 7-9 à la cible et ignore... Ah bah non, ça, c'est cadeau. Je peux faire inflige 8-10 à la cible et lui applique affaiblissement. Dégâts réduits de 50%. C'est bien, ça, parce que comme ça, il fera moins mal à Avia. Ouais. Bonne idée. Putain, il encaisse, le mec. Oh. Ah, bah, niveau 3, ouais. Allez. Voilà. Ok. Et terminé le tour. Du coup, ouais, il va s'en prendre dans le cul, voilà. Ouais, ça va. Ah, saignement. Mmh. Fuck. Bizarre qu'un marteau fasse saigner, mais bon. Oui. Ok. Alors, il nous reste Humeus, Avia, Mule. Donc là, il faudrait s'occuper des... Oh putain, il y a plein de monde. Hein. Est-ce qu'elle va jouer d'elle-même ou pas, la Lisbeth, là? Oui. Ah, elle va jouer son tour, ok. Donc là, c'est les deux, le lieutenant et la phalange, là, qui vont jouer. Donc ils vont forcément, je pense, aller sur... soit sur Peut-être Isabeth... Peut-être sur Derrida, non? Tu penses que vu qu'elle est... ouais. Bah, donc Humeus pourrait peut-être intercepter le lieutenant. C'est ça. Ce que je suis en train de me dire. Comme ça, tu contournes le piège à loup, à ours. Ouais. Parce que comme ça, ils vont pas aller directement sur Mule ou sur Isabeth. Ouais. Ils vont peut-être aller sur Derrylon, c'est fort probable, hein, mais bon. Tout bah ouais, mais bon, si tu aggro le lieutenant, peut-être que comment la phalange viendra sur toi. Donc je peux me mettre genre là. Ah oui, et puis t'es à distance, ouais, c'est bien ça. Ça l'engage pas, quoi, mais bon. Ouais, mais il va peut-être se concentrer sur toi. Peut-être. Allez. Ah oui, ça l'engage pas, ouais, t'as raison. Ça l'a repoussé, même. Ok, ça aurait... C'est... Ouais, non, mais c'était... Il fallait tenter quelque chose comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ah. Tu vois. Ah ouais. Ok. Ah bah il a pas tapé, c'est bon. Il a pas tapé. Alors. Donc il reste la phalange. J'irais bien dans... Oh, je peux aller... Je peux prendre Chris. Potentiellement. Et l'envoyer sur... sur le Audi. C'est une possibilité. Ouais, comme ça on revient à notre premier objectif. Ouais. Ouais. Par contre, je vais le prendre de côté et pas dans le cul, quoi. Ouais, parce qu'il y a le rocher. Ouais. Ouais, mais on va quand même avoir un bonus, je pense, d'encerclement. Probablement, ouais. Ouais, c'est possible. Bah, ouais, à moins qu'ils prennent vraiment en compte la position et non pas que la proximité, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Ouais, non, si, ouais, c'est peut-être le mieux, ouais. Allez, ok. Allez.
Ah ouais, mais... Non, c'est pas bien. Ouais. Bah non, parce qu'il y a la... le tourbillol. Ah merde. Ouais, sinon... Ouais, c'est chiant. Ouais. Sinon, c'est frénésie. Bah, gogo, hein. Ça coûte 2 points de bravoure. Hein. Vas-y. Inflige 6-7 de dégâts à la cible. Effectue 2 attaques supplémentaires. Ah bah, attends. J'y vais ? Ouais, ouais, vas-y. Ah bon ? Tu peux pas faire 2 de plus ? Bah non. Bizarre. Ou alors, c'est peut-être que... Oh, à tous les coups, je peux faire 2 tourbillol, en fait. Putain. Ah, ouais. C'est peut-être ça que ça veut dire, non ? Ouais. Je sais pas. Ouais, bah, je vais pas faire 2 tourbillol, là. Parce que là, tu me feras mal. Tu vas me faire mal. Bah, ouais. Ok. Bon. Si jamais on rejoue, faudra penser à ça. Ouais. Ouais, puis... Ouais. Oh, tant pis, c'est un... Bah, on a gagné un point de bravoure, en tout cas, dans l'histoire. Ouais, voilà, ouais. C'est moins grave que si c'était pire. Ok. Donc, elle joue, nickel. Elle fait rien, sale pute. Ah, putain, quelle connasse. Putain, c'est... Bah, en même temps, hein, on a décidé de se mettre du côté des brigands. C'est vrai. Ouais, bah oui, du coup, il y a moins de monde, c'est bizarre. Hein. On va voir. Donc là, qui est-ce qui peut jouer ? Avia ? Là, faudrait qu'on ait au moins un kill, quoi. Comme ça, on serait galvanisé. Ah non, il nous en manque deux. Avia, Mule et c'est tout ? Qui peuvent jouer encore, c'est ça ? Ouais. Avia, est-ce que t'as un truc qui tape en zone ? Attends. Mutilation, déchaînement, non. Mais par contre, 3-5 dégâts à la cible, 3 fois. Ah ouais ? Bah oui. Ah ouais, bah fait mutilation, ça crame un point de bravoure. Non, même pas. Si, déchaînement. Ça crame un point de bravoure sur celui qui était engagé, t'as pas le choix. C'est justement ça l'engagement en fait. Si tu tapes ouais, un autre. Le lieutenant là, qui est juste au-dessus de moi. Bah celui qui est. Ouais, le fantassin. Le fantassin. T'es engagé avec le fantassin. Bah oui, avec toi. Ouais, ouais, donc c'est sûr. Oui, c'est pas. Tu peux pas taper lancé. Un autre normalement, si ? Attends, est-ce que ça fasse plus mal ? Et je peux retaper là. Bah vas-y, hein, carrément. Oh ! Bim, je les ai tapés tous les deux. Oui ! Et c'est attends. Beau. Je peux. Ouais, mais ça coûte un. Je peux faire un coup mortel, c'est inflige 9-1 dégâts à la cible s'il lui reste moins de la moitié de la santé. Vas-y. Ça peut en tuer un, quoi. Ouais, vas-y, vas-y. Mais ça coûte un point de ouais, bravoure. Mais je crois qu'avec ce perso-là, t'as pas un truc qui fait que tu gagnes un point quand tu tues quelqu'un, non ? Ah non. Mais c'est pas grave. C'est très bien. C'est qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce que maintenant, tu peux te déplacer, te désengager, d'ailleurs. Ouais. Si tu veux, mais je pourrais aller là, quoi, tu vois. C'est... Je peux pas aller dans l'autre sens parce que Isabeth me bloque. Ah ouais. Je peux aller que dans ce sens-là, quoi. Qu'est-ce qui joue après ? Il y a la phalange qui va jouer après. Donc tu peux aller engager la phalange à gauche. Je peux pas l'engager parce que je peux aller que là. Je pourrais engager que le lieutenant, tu vois. Enfin, engager. En tout cas, me mettre derrière, quoi. Non, bah. Comme tu le sens. Franchement, je sais pas. Bah, je vais me mettre derrière. Est-ce que t'as un bonus ? Avec ce personnage-là, de points de bravoure si, dans certaines situations. Attends, ça doit se voir là. Je sais pas comment on voit ça, moi. Peau dure, critique. Point d'aptitude. Non, je crois pas qu'on voit ça. Je dirais qu'on t'a pas. Ou alors on sait pas. Bah ouais, fais ce que tu voulais faire. Je pense, hein. Ouais. Mais tu vas l'engager du coup. Ouais. Ouais, mais c'est je sais pas, ça peut être cool. Oui, oui, de toute façon, Brom, il va continuer sur le lieutenant, je pense. Et donc, lui, il joue. Dans le dos, très bien, merci, GG. Voilà. Parfait. Lui, il joue. Aïe. Ok. Bon choix.
Allez, et moi je peux jouer mon archer. Donc là je peux choisir un petit peu mon... Je dirais que le lieutenant c'est mieux parce que tu lui tirais dans le cucu, si tu peux. Le lieutenant... Alors par contre, je risque d'avoir... Non, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, je peux avancer que par là. Et c'est bon ? Ouais, ça... Oui, oui, ça serait bon, ouais. Vas-y. Okay. Ouais. Et en plus, j'aurais pas lui, je vais pas lui faire mal. Quoi. En fait, tu vois quand je passe le pointeur dessus, là ? Ouais. Ah, yes, ok, donc on peut se montrer les cibles comme ça, en fait. Oh oui ! Ça, c'est beau. Vas-y, repasse le pointeur sur un perso. Là. Je montre qui, là ? Ah non, je vois pas. Et, non, non, et là ? Et là ? Non ? Non plus, non plus. Même dans la timeline en bas ? Ok. Ah, il fait pas mal. Il est bien coincé là. Nouveau round. Ok, eh ben écoute, je vais me déplacer avec. Ouais, non, pardon. J'allais faire une connerie. On se calme. Alors, le lieutenant va jouer. Et après, le fantassin qui est sur Derylon. Alors là, je pense qu'il faudrait essayer de buter quelqu'un. On peut peut-être. On a le lieutenant. Ou peut-être qu'il faut que tu prennes. Attends, Derylon, il est où ? Il est là. Non, Derylon, il est occupé. Donc c'est bon. Ouais, Derylon, là, je pense qu'il vaut mieux pas trop le bouger. Il peut attaquer Audi, là. Peut-être continuer, quoi. Je sais pas. Hein. Ouais. Donc. Ouais. Donc le, là, parce qu'il y a le lieutenant qui est à côté de Avia qui va jouer, je me dis qu'il faut peut-être que je prenne Brom pour aller engager le lieutenant, justement. Ouais. Comme ça, il tapera Brom et pas Avia. Comme ça, Avia pourra taper dans le cucu. Ouais. Parce que c'est le mieux. Hein. Sinon, sinon, ça veut dire... qu'est-ce qu'il joue après ? Après, c'est le fantassin qui va taper Derylon, il n'y a pas le choix. Ok. Alors, Brom... Il va là et je crame pas de bravo. Hein. Non. Pique. Et puis paf. Ah, je suis empoisonné en plus. Ouais, ah, non, il tape en rototor. Putain, j'avais zappé ça. Ouais, saignement, ouais. Putain, t'encaisses trop bien, c'est trop cool. Alors, 18, oui non je peux rien faire, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Le prochain à jouer c'est le lieutenant, qui a 14 points de vie là, qui est à côté d'Elisabeth. Donc je me dirais, tu crois que tu peux le tuer avec Mule? Il faudrait essayer de le tuer lui en fait. Alors, non. Non. Je le tuerai pas, barrage. Cible une zone, effectue une attaque d'opportunité, traverse la zone. Ouais, non. Faut se rappeler que j'ai barrage aussi, mais ça coûte à chaque fois 2 points de. Ouais, puis c'est un truc de zone, faudrait qu'il y ait plusieurs ennemis ensemble, quoi. Non, mais je veux dire, pour une autre fois, ouais. Il faut s'en rappeler, quoi. Ouais. Mais là, là, 6-10. Non, je peux pas le tuer, j'ai pas de moyen de le tuer. Ok. Bon, Elisabeth, elle va peut-être pas être bête et aller dessus. Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Sinon, alors, après, ce sera qui? Après, ce sera la phalange qui est sur Humeus. Je pense qu'Humeus peut endurer encore. Donc, attends, est-ce que si je clique sur... ok. Fuck. Fait chier. Alors, lui... Si, ouais. Je peux... Non. Peut-être que ça vient de taper le lieutenant. Celui qui est... Qui a encore un peu d'armure là. Ouais, celui qui est en face de Brom en fait. Parce que je pense que là, Brom il va falloir l'aider. Parce qu'il va se prendre l'autre phalange en plus quoi. Ok. Avec un déchaînement là, ça va coûter un point de bravoure. Ça fait plus mal que l'autre truc. Ah, tu fait... peux faire les deux du coup. Ça fait 3 fois 5-8 dégâts là. Ouais. Ouais, vas-y. Sinon, je fais 14 dégâts à toutes les unités dans la zone. C'est en cône. Ah, donc tu vas lui faire des dégâts. À Brom du coup.
Ben, c'est un arc de cercle, donc non, je vais pas lui faire de dégâts, non. Ah ouais, ok. Je peux essayer, je te montre. Mais attends, est-ce que tu peux pas te mettre entre le lieutenant et la phalange pour que ton truc, il touche les deux? Genre... Là. Par exemple, ouais. De toute façon, tu peux te déplacer plus d'une fois si t'as pas utilisé tous tes points de déplacement. Faut juste pas que ça touche Brom, quoi. Ouais, c'est bon, normalement. Ok. Bien. Ouais, c'est pas mal. Et puis après, crame tes points de... Crame un point de bravoure pour taper le lieutenant encore plus. Tu peux retourner dans son dos même, d'ailleurs. Ouais. Hop. Yes. Yes. Oh, c'est beau. Ouais, c'est vrai que là... Magnifique. Voilà, faut qu'on crame les points, mais... C'est clair. Ok. Oh putain, fait chier, je suis dégoûté d'avoir cette arme-là, en fait. Elle est bien, mais elle est pas là pour faire des dégâts en zone, elle est là pour faire des dégâts de dos, quoi. Bah ouais. Ça m'énerve. C'est vrai que c'est con d'avoir cette capacité-là sur une... Bah cet atout-là, enfin ce trait-là sur une arme comme ça, ouais. Bah ouais, j'ai pris cette arme-là parce qu'elle avait l'air de faire plus mal. Oui, non, mais c'est clair. Mais bon. Est-ce que... qui est-ce qui pourrait taper? Brom, il peut pas jouer. Avia vient de jouer. Là, mon archer, je pense qu'il pourrait tuer le lieutenant. À 14 PV, là? Ah non, celui qui a 8 PV, qui vient de se faire défoncer par Avia. Ça va pas toucher Brom dans le cucu? Si je me déplace... Ça se tente. Si tu penses pouvoir le faire, fonce. Je regarde. Hein, je... Attends, déjà, est-ce que je peux me déplacer? Ouais, je peux pas me déplacer plus que ça. Mais là, du coup, non, Brom, je pense pas qu'il soit. Le problème, c'est que le prochain à jouer, c'est le lieutenant à 14 points de vie, en fait. C'est lui là qui est dangereux. Il va taper dans le dos de Brom et il y a des chances qu'il le tue, quoi. Oh. Mais je sais pas qui, à part toi, sauf si tu crites, quoi. Ah, est-ce que je peux ramener Humeus? Bah, non. Non, mais... Ah oui, 6, 10. Ouais, c'est vrai. Je peux faire... Ouais, je fais 6 ou 10. Donc, il a 8. Il y a des chances que je le tue pas. Si tu crames un point de bravoure, tu peux pas augmenter... c'est la portée que t'augmentes. Si tu crames un point de bravoure, j'augmente la portée, ouais. Ça augmente ta dex? Ne peut pas... gagne en habileté, donc portée de la prochaine attaque doublée et précision améliorée. C'est la précision. Ah ouais. Donc en fait, la précision, ça veut peut-être dire aussi que je vais pas toucher ceux à côté. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as d'autre sinon? Donc barrage. Zone. Ça coûte 2, putain. Ouais. Si ça coûtait que 1, je t'aurais dit fais un barrage en essayant de le toucher que lui. Ah non, c'est une attaque d'opportunité, c'est vrai, c'est la vigilance, en fait, ce truc-là. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais oui, donc tu touches pas d'autres, en fait. Non, c'est bien, en fait. Ouais. Ok. Je crois que c'était genre une volée de flèches, en fait. Ouais, mais non. Ouais. Bon, bah... Comme tu le sens, moi, je me dis que le lieutenant a 8 PV, on pourra le buter vite. Ok. Mais que. De toute façon, là après, il y a l'autre phalange qui va jouer. Brom, il va y passer, c'est évident. Il n'y a pas trop le choix, là. Donc. Comme tu le sens, ouais. Bute le lieutenant. Ah, si, bute le lieutenant. Comme ça, Brom, il pourra se désengager à un moment donné. Peut-être. Ouais, donc j'essaie de buter le lieutenant que j'ai dit. Ouais. Ok. Ouais. On va espérer. Yes. 14. Ah putain, t'aurais buté l'autre. Saloperie de YOLO, quoi. Ok. Cool. Je peux toujours... en fait, ce que je peux faire, c'est... je peux toujours... Mais ça serait que pour le lieutenant, c'est dommage. Parce que... Mais je peux quand même... je pourrais quand même faire un tir de barrage. Mais bon, c'est vrai que ça coûte 2, donc là, il nous en reste plus. Vaut mieux peut-être garder autre chose.
et ça ne concernerait que le lieutenant. Ouais. Donc je passe mon tour. Ah. Ah bah oui. Il peut mettre lui. Il a saignement. Hein. Ouais. Donc on a Avia et Brom qui vont y passer, je pense. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est conne, elle, putain. Ouais, c'est chiant. C'est... Si c'est de l'IA, c'est de la merde. Ouais. En même temps, non, il n'y avait plus l'autre, oui, tu l'as buté, en fait. Ok, alors, je peux jouer Humeus. Et moi, je peux jouer Derylan. Et je peux aussi jouer Chris. Qu'est-ce qu'il joue après? C'est la phalange. Et Derylan. Derylan. Tu veux pas le... Ouais, voilà. Putain, ça fait chier, quoi. Il faudrait buter Audi, là. Mm. Ah, est-ce que... Alors, je peux peut-être... Si, j'ai une idée. Je peux peut-être, avec Humeus, me pointer... Genre... Si je me mets là, à ton avis, est-ce que... Avec vu que je suis à une lance, je vais le toucher, mais est-ce que je vais toucher Chris et toi? Non, je pense pas. On teste? Bah ouais. Quand vous encerclez les alliés, nanana, vous obtenez un bonus, on sait. Attends. En diagonale, peut-être que tu tapes pas? Non, non, si ça touche, mais... Il y a... Ok. Non, si c'est bon. En fait, je suis bon. Ouais, c'est pas mal. Nice. Il n'y avait plus qu'à deux, quoi. Voilà, et puis je peux me désengager. Enfin, je peux. Non, je vais rester là. C'est dommage, ouais, qu'il soit pas mort. Mais bon. Ok. Bah voilà. Hein. Ouais. Donc, Liv va se rapprocher de moi normalement, lui. Ah non, il va sur. Chris, logique. Ok, et eh ben. Là. Alors, soit tu prends. Qu'est-ce qu'il joue après? C'est... Il faut que tu butes avec Derylan. T'as pas le choix. Tu butes le gars avec Derylan. Tu butes Audi avec Derylan. Ouais. Et après, tu te barres vers l'autre fight. Ah, quoique, non. Peut-être que. Oh yeah. La classe. J'adore. Non, c'est vrai qu'il reste deux Gus. Il reste deux Gus et on est trois sur les deux Gus. Ouais. Mais... Avec Fantassin et Phalange. Qu'est-ce qu'il joue après? Ouais. Je peux envoyer un encouragement sur les trois Gus, sur nous quatre en fait. C'est autour de toi, c'est ça? Ouais, c'est l'unité et tous les alliés dans la zone gagnent protection pendant deux rounds. Ça peut peut-être être pas mal. Hein. Et ça coûte un point de bravo? Ouais. Ouais, vas-y, de toute façon. Je... C'est un point en plus, c'est un point pour le combat. Là. Ouais. Je pense que ça n'a pas changé ça d'ailleurs, parce qu'avant, je ne semblais pas avoir vu les points jaunes comme ça. Je me demande s'ils n'ont pas mis... Ok, ouais, c'est pas mal. Voilà, et est-ce que... Bon, de toute façon, si je bouge, je peux aller que là, quoi. Il faut que tu ailles engager un truc. Alors, ouais, tu peux le fantassin, juste derrière moi. Ah oui. Ouais, la phalange. Ah non, je peux pas y aller, je suis bloqué par les gens. Ah ok, autant pour moi. Bah nickel. Je peux faire que ça, quoi, tu vois. Ah non, mais c'est bon. Donc hop. Très bien. Ok. Ouais. Donc maintenant, on serre les fesses, mais à mon avis... Oh, il tape l'autre. Ah bah c'est bien. Bah, ouais. Ok. Alors du coup, je vais peut-être pouvoir aller faire des dégâts à un truc. Genre si je me mets... Alors ça a quel rayon ce truc là? Donc si je me mets là par exemple... À ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Si je me mets là, est-ce que je vais faire des dégâts à Humeus? On va voir. Putain, oui. Fais chier. Alors si je me mets comme ça, je fais des dégâts à personne, super. Putain. Fake. Ah, ça fait chier. Ah, c'est dommage. Ah ouais, c'est nul.
Bon bah, c'est vrai que c'est une vraie source de dégâts. Et oui, c'est vrai que ça te freine vachement. Quoi. Bon bah, je me casse. Rien d'autre à faire, oui, je peux rien faire. Ouais, ouais. Ok, donc lui. Ah, mais il l'a engagé. Ok. Nouveau round. Donc. Attends, je vais juste voir. Est-ce que je peux aller. On est bientôt galvanisé. Ouais. Qu'est-ce qui joue le prochain tour là? C'est la phalange. Ce qui serait pas mal, c'est que Derrylon il aille vers Brom et Avia et qu'il les protège aussi. Bah, c'était ce que je voulais faire à la base, mais tu m'avais dit que tu étais engagé avec l'autre. Donc tu pouvais pas. Ouais, je pouvais pas. Ouais. Mais maintenant je pourrais. Je pense qu'il faut. Là, t'es plus engagé là? Ah, bah oui, t'es plus engagé, ouais. Ah oui, je peux engager. Mais t'arrives pas en un tour? Non, je peux aller que par là. Ok, donc. Non. Je pense mais après, le cercle encouragement, il est grand. Hein. Je pourrais avoir. Non, mais non. Ça concernerait Isabeth et Brom. Pas plus. Ok, ouais. Putain, ça fait chier pour Avia et Brom là. À mon avis, ils vont y passer. Bah, ils vont être hors combat quoi, mais bah, jusqu'à ce qu'ils se font enfin, ouais, oui, pendant, ouais. Alors, d'ailleurs, on va garder les deux points de bravoure pour potentiellement premier soin. On a pas de soigne, ouais, voilà, c'est ça. Donc, il va falloir que je ramène Chris, bon, elle est pas loin. Donc, bref, je pense que une stratégie à avoir, c'est peut-être de buter le lieutenant à 8 PV. Ah, ouais, et. Ou de reprendre l'aggro sur la phalange qui est sous Brom, enfin à côté de Brom. Ouais. Est-ce qu'on refait la même logique où mon archer il essaye de le fumer lui? Ouais. Et on fait ça maintenant comme ça on pourra se positionner en fonction. Ouais. Nickel. Moi j'ai pas besoin de bouger, je me le fais. Bah c'est parfait, ouais. Et on te croise les droits? On croise les droits. On croise les droits. Et d'ailleurs, j'étais même en train de me dire que ton archer, yes, GG. Bim. Dans le dos, tu vois, tu crites quasiment tout le temps. Ouais. J'étais en train de me dire que ton archer, il pourrait peut-être même aller tanker un truc, tu vois. Bah ouais, là, c'est bon. Hein. Genre à côté de Brom, là, la phalange. Mais en même temps, c'est complètement débile, parce que du coup, tu sers à rien à part prendre des coups, quoi. Bah ouais, mais de toute façon, je peux pas m'en approcher, là. Ah ouais, non, d'accord. Bah reste là, alors. Ouais, je pense, hein. Ou alors, je me mets carrément au milieu, ouais, c'est voilà. Genre là. Et ouais. Comme ça, je peux les avoir tous les deux. Ouais, bonne idée. Ok. Et, ouais, non, on a que deux points. Non, non, ouais, il faut garder pour les soins, ouais. Ok, ça me va. Ensuite. Alors, moi, je peux jouer Derrylon et je peux jouer Avia. Ok. Ouais, Avia, si tu le joues, il va se prendre le tic de saignement après, il va crever, hein. Mais faut pas qu'il bouge en fait. Faut pas que tu le joues. Bah qu'il finisse un tour en fait. Ah oui. Pareil pour Brom. Brom va peut-être encaisser. Je sais pas combien c'est le saignement. Ah non. Perd des 6 de dégâts donc il va crever. C'est bizarre qu'on puisse pas se soigner comme ça. Genre prendre une popo ou un truc comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fait vraiment très simulation médiévale en fait. Ouais. Bah oui, c'est assez réaliste en fait. Alors. Ouais. Isabelle. Qu'est-ce qu'il joue après? C'est le fantassin qui est alors sur là, le truand. Par contre, juste une chose, rappelle-toi, on est galvanisé, ce qui veut dire que faut compter sur un accroissement des dégâts quand même. C'est vrai. Tu vois, maintenant je fais 9-15 à l'arc. D'accord. Avant, je faisais 6-10. Ok. C'est rien à voir. Ouais. Bon, alors. Et on est 4 à être protégés encore pendant un round. Ok. Ouais, donc Chris, si je la rapproche, c'est pour faire du tourbilol, donc ça sert à rien. Donc je vais la laisser, je vais pas la toucher pour l'instant. Okay. Après, c'est le fantassin qui va jouer. Donc je dirais bien. Ah ouais. Je dirais bien que je foutrais bien un coup dans le cucu du fantassin avec Humeus en fait. Allez. Ok.
placer. En plus, il est empoisonné, donc à mon avis. Le placer là. Ça fait pas très mal. Pas très très mal. Ah, il est protégé. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis après, je peux le bouger aussi. Je suis en train de réfléchir. Te mettre contre la phalange pour éviter qu'elle aggro, je sais pas, ou alors revenir vers Brom avec Humeus peut-être. Ouais, non, en fait, je pense que c'est peut-être pas plus mal d'aller tanker la phalange qui a pas pris de dégâts en fait. Ouais. Ok. Ok. Donc moi je peux. Okay, ok, nickel. Moi je peux jouer Derylon ou alors Avia. Mais Avia, il faudrait qu'il bouge donc. Donc Derylon, je peux jouer moi. Derylon, et après c'est... Bah de toute façon on a 3 à jouer là, donc... Et après ce sera la phalange qui est en face d'Isabeth. Mm. Puis après Isabeth. Alors attends, je regarde si... Ah fait chier. Ça va être trop loin, il faut être au corps à corps je pense. Faut utiliser si il est engagé. Pas si je fais ça. Ok, non. Bah, on va devoir les jouer, hein, ceux qui vont crever là. Ils vont devoir jouer à un moment donné, hein. Bah oui. Donc, bah, vas-y. Ils vont, ils vont pas crever, on va les retrouver en fin de round. Bah, peut-être que l'idée, c'est de se rapprocher d'un soigneur. Ouais, tu vois, c'est ce que j'étais en train de me dire. Rapproche-toi de Chris, ouais. Tu vois, ça peut peut-être. Parce que Chris là, en fait, elle peut atteindre Brom, mais elle peut pas atteindre. Ah, attends. Regarde, tu vois, si moi je bouge là. Ouais, mais ça, c'est dommage de pas taper un coup quand même. Tu peux taper quelqu'un à distance ou t'es obligé d'être engagé? Non, je suis plus obligé. Je peux faire un. Dans une zone, je peux faire un ça, mais je suis pas sûr que. Ah oui, à mon avis, ça engage ça... quand même. Ouais, ça engage quand même. Ok, bah je tape la phalange alors, mais je vais crever. Enfin, je vais m'évanouir quoi. Ouais, ouais, non, bah non, viens, rapproche-toi de Chris alors. On va assurer le coup. Ok. Tac. Et oh, et après, je joue Chris direct et je te soigne. On va voir ce que ça fait. L'unité mourante est seulement capable de se déplacer si vous la soignez avant qu'elle subisse des dégâts. Elle pourra combattre de nouveau dans le cas contraire. Okay. Donc en fait, tu peux toujours te déplacer en fait. Ouais, ok, c'est un. Alors, je savais pas. Je vais me déplacer, donc je vais prendre Chris. Je me déplace là. Je te soigne. Yeah, c'est merde. Ouais, juste de 3 PV quoi. Ouais, mais bon. Au moins, tu vois, je suis plus de saignement. C'est bien, j'ai plus de saignement. Alors que toi, Brom a toujours un saignement. Certes. Donc je vais me mettre à côté de Brom, j'imagine. Bah ouais. Tour d'après. On va assurer. Isabeth, elle sert de sac à viande pour l'instant. Ouais, j'espère qu'elle va continuer. Ok, bah Brom, qu'est-ce que je fais? Je tape le mec ou... Du coup, oui, je pense, hein, autant utiliser les dégâts, quoi. Bah oui, je pense que là, du coup, toi, tu peux. Ah ouais, ouais. Anéantissement... Allez. Ok. Moi, je peux jouer Derylon. Ça fait 12-15. Ok. Non, je suis con, je peux pas jouer. Ah bah voilà, tu vois. Yeah. Bah non. Mm. Non, c'était Brom, ça. Ouais. Bof. Ouais. Bah c'est pas grave. Tant pis. On va en prendre, on en recrute un autre. Bah ouais. Je pense que le jeu veut qu'on fasse ça. Ouais, 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 sauf que... On n'a pas envie de perdre nos principaux, quoi. Non, non, c'est sûr, mais c'est pas grave. Ouais. Moi, okay. Ça, le plus possible, mais là, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et bah, du coup, je tape le fantassin, moi, avec mon oui. Derylon. Oui, oui, oui. Je pense que c'est mieux, je peux pas me mettre derrière lui, j'ai pas le choix. Ça lui fait pas beaucoup de dégâts, hein, putain. Ouais, il encaisse. Il a 28% de défense en fait. Mm. Tu vois, il est proche de toi, t'as 30%. Alors que Brom, il avait 10%, tu vois. Ouais.
Je pense que c'était ça, mon erreur, c'est de le refaire en tank alors que c'était pas un tank en fait. Alors ce que je peux faire ça, je peux me foutre là. Comme ça, je suis proche de la phalange au cas où. Ah, parce que t'es pas engagé, c'est ça? Ouais, en plus. Ouais. Ça me permettrait d'engager et de me mettre proche de la phalange. T'aurais même dû le faire avant pour le taper dans le cucu, en fait. Ça aurait pas été dans le cucu, je crois. Le cucu, c'est le rocher. Enfin bon. Ouais. Allez, go. Ah oui, t'as raison. Ah bah, tu vois, ça engage pas. Ok. Mais ça va pas engager. C'est parce donc que... le truand joue, et puis vu qu'il est au... Ça, c'est un peu naze. Nouveau round. Alors, qu'est-ce qu'il joue après? Ça va être la phalange qui est sur Isabébette. Eh ben, je vais aller me faire plaisir avec Chris si ça t'ennuie pas. Ouais, carrément. Puis moi, je vais sûrement devoir le punir, ouais. Vengeance. Voilà, vengeance. Non, mais oh. Ah, voilà. Ouais, un point. Ouais. Peut-être que Isabelle va faire le reste du travail. Wow, il y a des chances. Puis je vais me barrer en fait. Voilà. Ouais, on aurait dû la laisser tanker un peu plus. Ouais. Alors le prochain qui joue c'est en face, c'est celui qui est en face du Meus. Et peut-être. Ouais. Daryl en a joué là, c'est ça? Ou pas encore? Ah non, pas encore. Est-ce que c'est tu toi peux qui as joué en premier? Ah ouais, c'est vrai. Tu peux pas aller l'engager, t'as ton taunt? Ah oui, non, ça prend un point de bravoure. Ouais. Bah après, si je me déplace à côté de la phalange, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Bah à mon avis, si je me fous derrière, je prends l'aggro. Hein. Je pense pas. Mais ah bon test. Vas-y, fais. Et puis tape. Et j'ai pris l'aggro là. Bah il s'est tourné mais je suis pas sûr. Hein. Ah bon? Non, mais c'est bizarre alors. Parce que... Okay. Oh, tu vois. Ok, et t'as eu un point de bravoure, GG. Ah si, ah bah ok, autant pour moi. Cool. Bon bah ça c'est bien. Donc du coup, je pourrais déplacer Humeus. Qu'est-ce qu'on n'a pas joué encore? Qu'est-ce qu'il joue après? C'est le fantassin. Je tape dans le cucu à lui ou... Non, putain, il encaisse comme une brute aussi, lui. Mmh. Ou alors... Moi, je pourrais lui envoyer une flèche dans le cucu, ça lui ferait mal. Ouais, vas-y. Tu vois. C'est une bonne idée. Enfin, mal. On est d'accord que... Ouais. Oui. Au moins, il n'a plus d'armure. Certes. Ouais. Nickel. Putain, il tanque le truand, là. Mmh. C'est vrai qu'il est quel niveau le truand? Ah, il est niveau 3 en fait. Okay. Alors, et en fait, il faut buter la phalange là. Ah oui, mais non. Lisbeth va s'en charger, oui, c'est vrai. Ouais, je pense. Je pense, on n'est pas loin de ça. Okay. Et puis, si jamais elle foire, on va s'en charger après. Ouais. Mais là, okay. Quand même. Et ben. Soit je me fais la phalange là, non, je suis dans le cucu direct. Qui est sur Derylon, ouais, je pense faire ça. Hein. Ouais. C'est le mieux. Voilà. Tac. Et puis Avia qui. Et bah Avia. Ouais. Ouais, quitte à. Bon, mais je me dis. Mais là, par contre, elle risque de prendre l'aggro, quoi. Tu crois? Bah. Parce que. Tu vois, c'est ça l'idée du jeu, c'est que. Une fois que deux personnes sont engagées. Elle se désengage plus sauf taunt, tu vois. C'est comme ça qu'avec un assassin, tu peux arriver dans le dos et taper dans le dos. Okay, c'est pour ça que je me dis que normalement ça devrait marcher. Je comprends pas trop pourquoi Derylon a pris l'aggro, à moins que son truc soit un taunt de base, quoi. Ouais. Allez, bah. Nickel. Je peux limite me barrer. Non. Non, je peux pas barrer, j'ai plus assez de... Ouais. Ok, nickel. Voilà. Voilà. Galvanisation. Il y a toujours des pertes dans une bataille. C'est vrai. Allez. Oh non. Ah non. Ah non, on les laisse pas partir. Que dalle. Alors là, ils ont buté Brom.
On peut utiliser même un point de bravoure, il est cadeau, donc... Eh ben, je peux faire un déchaînement avec Avia. Tu vas... Ouais, bah ouais, vas-y. Mais je risque de... De toucher quelqu'un, faut pas. Non, je... à mon avis, non. Mmh. Merde. Je peux me foutre comme ça, ou là, plutôt. Moi, je peux me déplacer aussi, si tu veux. Vas-y, hein. Déplace-toi d'abord. C'est comme tu veux. Enfin, tu... ton truc, il tape comment? Attends, je regarde Avia. 5, 8 x 3. Ah oui, tu peux faire... Ah non, mais je veux dire, en... c'est un arc de cercle. Non. J'ai un arc de cercle, mais j'ai aussi un coup de haut en bas, quoi. Ah oui. Ah bah, fais ça, ouais. Ok, je vais me foutre juste là. Déchaînement, ouais, ok. Ça permet de laisser une ouverture. Oh oui. T'as vu ça? Ok, et après, je vais le finir avec Humeus. Ah bah, attends. Ouais, je peux aussi... Ah, j'ai Kourou, je peux le tuer. Hein. Et ça, ouais. Ça nous prendrait un. Bah oui, mais non. Ça fait 12-14. Ouais, mais on va pas gâcher le dernier point de vrai point de bravoure qui nous reste. Celui-là, on le garde pour le combat d'après. Celui que je t'ai dit de dépenser, c'était un temporaire en fait. Il se renouvelle pas? Non. Ah, d'accord, ok, ouais, je pensais. Il se renouvelle sous certaines conditions quand on dort et trucs comme ça, quoi. D'accord, ouais, je pensais qu'après un combat, il se renouvelle. Ok. Voilà, puis tu le finis avec Derrylon. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Là, j'ai regagné un point de bravoure parce que je suis corps à corps. GG. C'est celui qui tue le plus de cibles, ton tank. J'ai regagné un point de bravoure parce que. Parce qu'en fait, j'étais en corps à corps sans être engagé, en fait. Alors, ouais. Je soigne tout le monde. Paf. Merci pour l'armure. J'ai chopé du persil des marais. Très répandue dans les endroits humides tels que les marécages et les rives, cette plante cause des nausées, des convulsions et permet également d'abaisser le rythme cardiaque. Je garde, ça doit être du truc d'alchi, ça, j'imagine. Ouais. On a chopé une veste de maître niveau 3. Cette veste est l'œuvre d'un artisan de Bélérion. La méthode de tissage ressemble à celle utilisée pour les voiles de bateau. Cependant, cette armure très résistante à l'usure et aux intempéries. Armure 21. Oh! Tiens, pour toi. Et marteau du fuyard, on l'a... Ah non, marteau du fuyard, un solide marteau dont le manche s'est décoré de runes. Compétence anéantissement. Force plus 4. Donc ça. Et veste de maître. Ah bah oui, on a récupéré le stuff de Brom, en fait. On a récupéré le stuff de Brom qui est cassé. Je sais pas si tu peux le réparer. Le fou là. On a récupéré le corps de Brom. Vous pouvez l'enterrer où vous le souhaitez. Oh. Oh. Bon, puis je vais changer la dague à Chris là parce que le truc a beau l'air de faire mal. C'est nul. Je suis dégoûté. Comment je pourrais faire pour réparer le truc de Brom, le bouclier, c'est le bouclier qui était pété, c'est ça? Le bouclier et le et l'armure aussi, la veste de maître. Faut peut-être qu'on continue et... Non, bah non, je sais pas. Non, mais sinon, c'est peut-être à la forge que tu peux le faire, hein, je sais pas. Ouais, je pense. En tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu trop balèze pour nous. Enfin, pas trop balèze, mais... Elle était bien plus, quoi. On va recruter quelqu'un d'autre, hein. Ouais. C'était son dernier combat. Quand tu as garde sur un vêtement, ça veut dire quoi? Garde sur un vêtement? Je sais pas. Ok. Parce qu'en fait... J'ai Je mets la pause hein, parce que... Ouais, vas-y, bah oui. Brigandine des déserteurs, dégâts critiques plus 5, garde plus 10, armure plus 11. Mm. Et je me disais, ça pourrait être cool sur Mule. Mm-hmm. Lui, il a une armure plus 8, juste, puisqu'il y a les dégâts critiques en plus. Mais ça pourrait peut-être être bien aussi sur... puisqu'il y a la garde, plus 10 de garde. Est-ce que ça serait peut-être pas plus mal sur Chris? Peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'elle a, Chris?
Elle a un armure plus 8, c'est tout. Mais Chris n'est pas censé prendre l'aggro, je dirais Humeus plutôt limite. Bon, je te le mets là. Tu vois. Ou le prochain perso que je vais avoir, quoi. Ah, dégâts critiques plus 5. Oui, si, c'est bien, ouais. Il le met ou pas ? Humeus ne peut pas équiper armure intermédiaire. Ah. Chris ne peut pas équiper armure intermédiaire. Bon, ça sera pour le... Ouais. Ben, le prochain perso que je prends, là, du coup. Ok. Donc, du coup, la veste de maître, niveau 1. Mouvement plus 2, armure plus 13, plus 5. Est-ce que je peux la mettre à... Est-ce que je peux la mettre à mule, du coup ? C'est quoi, armure plus... Combien ? Mouvement plus 2, armure plus 13. Ou alors, je la mets à Avia. Non, mais la mule, il a besoin de mouvement. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Tac. Réparer. Ah, bah c'est en les équipant que tu les répares. Ok. Tac. Ok, ok. Et alors du coup, bah attends, je vais peut-être pouvoir réparer ça. Protection. Et là, je répare. Merci pour les crochets. Okay. Plus 10, plus 4. Plus 12, plus 6. Ok, bah le bouclier, il est moins bien que celui que j'ai. Tac. Bah, on va pouvoir vendre le bouclier, je pense. Hein. Ouais. Et ouais. Attends, le marteau, peut-être pas, mais le bouclier, ouais. Retrouver Isabelle dans la ferme Prosper. Faut qu'on fasse ça. Déjà. Bah oui. On y va. Oui, oui. Faut qu'on valide ça, ouais. T'as vu quelle heure il est ? Il est... Putain, ouais. Bon, on stoppe à 3h30 ? Ça me va, ouais. J'aimerais bien faire un combat de plus. Allez, je lui cause. Ah bah, je suis pas sûr. Thank you for your help. Recruiting refugees seemed like a good idea at the time, but being desperate does not make them good thieves. Without your help, my mistake could have cost this poor soul dearly. Please accept this on behalf of our people. It's not much, but I hope you mercenaries will not be too disappointed. And now, oh, pardon. To take these good people to the haven. Ok, est-ce qu'il y a des trucs à loot là ? On va pouvoir vendre. Ouais, ok, bon, ça. Je crois qu'on n'aura pas le temps d'en faire un de plus. C'est le week-end, ouais, mais on a des vies. Il est tard. Où est-ce qu'on... Alors... Attends, je mets la pause. Où est-ce qu'on va là, du coup ? On retourne en ville à Stromcap. Ouais, je pense. Ah, et puis il faut dormir. Ouais. Ah oui. Tu veux qu'on aille dormir en ville ? Allez. Je suis pas sûr qu'on y arrive. On n'aura pas le temps. Hein. Ouais, vaut mieux dormir maintenant. Voilà. Ouais, on dort là. Okay. Il y a du bois à côté. Il y a un truc de pêcheur. Est-ce qu'on peut... J'enterre le corps de Brom ici. Hein ? Ouais, bonne idée. Enterré. Je peux pas. Peut-être que je le mette là. Non. Ça marche pas. Peut-être que je le fasse sur la map. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas ici. Ouais. Oh, on peut déplacer le feu. Pardon. Ah, mais attends. Ah. Si on peut déplacer le feu. T'as vu ? J'ai l'impression qu'ils sont. Ils se sont levés quand j'ai déplacé le feu. Oui. Ils se sont levés, ouais. Ok. Crochet, t'en as deux, j'en fais pas plus, c'est pas pour l'instant. Ah non, c'est bon. Ok. Ok, alors la bouffe. Ah putain, c'est chiant, putain. Je vais peut-être la garder sur moi, la bouffe, si c'est moi qui suis préposé à la bouffe. Tac. Après, la bouffe, moi je peux en mettre aussi, hein, c'est ce que je faisais la dernière fois. Ouais, non, mais bon. Et puis, tiens, on va même faire, allez, tac, petite bibine, un alcool fort qui pourrait servir à déboucher les latrines, augmente de 1 le bonheur de la troupe et 1 de bouffe aussi,
Soldat versé 75. Bah oui. C'est bien, on a perdu un gars avant. Ah, ça coûte. Et ouais, ça coûte moins cher. Ouais. C'était fait exprès. C'est ça. Faut que tu kicks. Ah bon ? Ok. Sur se reposer aussi. Allez. Ou alors je le force, je le ferai la prochaine fois. Oui, ouais. J'aime pas le terme forcer, j'ai pas envie de te forcer, tu vois. Tu vois, vous avez récupéré 2 points de bravoure. Ah oui. Compagnons sont devenus plus aguerris, vous pouvez désormais nommer un capitaine. Nom de Dieu ! Ah, c'est cool ça. Un capitaine. Ah, c'est cool, hein. Qui devrait être le capitaine le plus... Bah, c'est Derylon, hein ? Ouais, je pense. Ah oui. Ok, alors comment on fait ? Il faut... Tiens, je peux le faire dans son inventaire. Transférer ce compagnon... dans son inventaire ? Ouais. Enfin, dans son... Non, dans sa fiche de perso. Enfin, c'est... Je pense pas que tu puisses le faire, toi. À moins que tu... Si tu fais clic droit sur... Bah non, tu peux pas sur mon icône. Je vais aller sur Chris, par exemple. Tu fais clic droit sur... Ah oui, et non, mais capitaine. Hein. Voilà. Ça coûte plus cher et ça... Ok. Bah vas-y, ouais. Mets le capitaine. Allez, GG. Allez. On peut fabriquer la table de stratégie. Bah, go fabriquer. Et donc du coup, il a motivation des troupes. C'est un nouveau truc. Oh yes. Utilisable une fois par combat pour chaque allié dans la zone. Et je sais pas ce que ça fait. On regardera. Ça fait obtenir... Ah attends, motivation des troupes. Obtenez un point de bravoure pour chaque allié dans la zone. Oh. Et ça coûte pas de points de bravoure. Ouais, c'est passif. Ouais, non. Non. Non, utilisable une fois par combat. Ah d'accord, ah yeah, c'est bien. Ah ouais. Ah si on engage un combat, 100 points de bravoure en fait, comme ça tu fais ça direct avec tout le monde autour. On peut préparer ça quoi. Ouais, c'est 4 mètres de zone, hein. C'est pas énorme mais bon. Ouais. Ça coûte rien, voilà. Okay. On verra. Eh ben, cool. J'ai hâte de changer d'arme, hein, sérieux. Elle est un peu foireuse cette épée. 6-8 dégâts. Ça pourrait être bien de changer. Quoi. Ouais, vas-y, faut quitter le truc là. Hop. Ok, donc on a dit qu'on irait. Il faut qu'on aille au nord. Par là. Tiens, est-ce que je peux... Ouais. Dès que tu vois un spot pour pêcher, tu dis. Ouais, je veux un spot pour enterrer mon pote, moi. Ah bah... Là, dans les collines, juste là. Là. Ouais, il aurait aimé ça. Placer la tombe. La tombe est trop loin de la troupe. Ah, ok. Attends. Capita, voulez-vous écrire ? Il se croyait... Il croyait... pouvoir tanker. Il va y avoir une tombe. Excellent. Ah, c'est classe. Brom, il croyait pouvoir tanker. Ah, c'est trop cool. Bah, on pourra enterrer les autres à côté aussi. Ouais, si on va pas trop loin dans la histoire et dans la map. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est... En tout cas, ce qu'on peut faire, on peut faire comme habitude d'enterrer sur des collines. Ouais. Alors, on recrute déjà, je veux recruter moi. Bah, taverne alors, c'est ça ? Ouais. Je veux quelqu'un là. Je me sens tout nu. Alors, on a Amras et Roegen et Nord. Alors, attends, j'inspecte. Un épéiste niveau 2. Un rôdeur niveau 2. J'ai déjà un rôdeur, donc non. Et un archer niveau 2. L'épéiste, il a une vieille épée longue à deux mains. À demain ? Ah ouais. Ouais. Et là, enchaînement, inflige 6 de dégâts à toutes les unités dans la zone, donc ça fait c'est un truc de zone. L'archer, il a juste tir, c'est comme le tien, quoi. Yes. Et c'est tout, hein. Il n'y a que ces trois-là. Ouais, ouais, parce que l'autre... Ouais. Nordos, c'est quoi ça ? Bah c'est lui. C'est l'épéiste. Ah ouais. C'est l'épéiste. Ouais. Paye ton épée, quoi, putain. On tente. Allez,
Ouais, je le prends. Ouais, parce que Kourou, ça, c'est en face. Mais ça, ça coûte... Ça coûte... Aïe. Oh. Hein. Bah, Kourou, il coûte pas des... Je peux pas lui parler. Coup mortel. Putain, c'est bizarre. Ah, ah si, je peux lui parler maintenant. Ah oui, t'étais dans le... Recruter 72 gold. On a 74. Ah la vache. Si on peut pas payer nos gars, il y a le bonheur qui baisse, mais ils se barrent pas, hein, je crois pas. Je pense, hein. Ouais, les crânes, vous devez payer la solde de vos compagnons, tous les trois. Alors, attends. Le bonheur, tâchez de maintenir un bonheur. Moins 5 de bonheur. Ah oui, si on arrive à moins 5, un compagnon voudra quitter votre troupe. Si j'ai un dur à cuire, lol. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? On le prend ou on le prend pas alors? Et on fait une quête qui rapporte des thunes vite vite? C'est ça? Ou on le prend pas? Non, bah si, vaut mieux le prendre. Vaut mieux le prendre. Ok. Si on est coincé niveau thunes, de toute façon on fera des quêtes. Ouais. Y a-t-il quelqu'un sur le chat qui voudrait son nom sur ce personnage là? Je fais son level rapidement. Alors. Je peux le mettre en protecteur. Et ça lui file encouragement, c'est le truc que t'as, je crois. Ouais. Ou alors, en combattant, inflige 5-6 de dégâts à la cible et lui applique déstabilisation pendant 2 rounds. Ou alors, maître d'armes, inflige 2x6 de dégâts à toutes les unités dans la zone utilisable après 2 attaques. La combattant, ça prend un point de bravoure et maître d'armes, ça prend 2 points de bravoure. Ah, c'est utilisable uniquement après 2 attaques en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Et après, enchaînement valeureux à chaque fois qu'il y a une contre-attaque. Après 2 attaques, ouais, donc 2 rounds quoi. Ouais, c'est uniquement utilisable après 2 attaques. Il faut que je fasse 2 attaques et après je pourrais utiliser ça et ça coûtera 2 points de bravoure quoi. Ah non, ça, c'est pas top. Hein. Bah, je prends frappe déstabilisante, je vais pas prendre protection. Ouais, je pense. Combattant. Ça m'aise, du coup, c'est un peu comme une protec. Déstabilisation, garde réduite à 0. Non, ça vire l'armure. Ah oui. Oh, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, parce que si on combine avec un crit, ça peut être pas mal, ouais. Et puis, je vais lui mettre de la... Il a que 7 en force, le con. Ah, bof. Bah, maintenant, il a 8. Ok. On peut se barrer. Marc le chat et Momo le viking. Là là là. Ouais, il propose si Marc veut avoir son nom sur le perso. Ah oui. Sortir, ouais. Ouais. Ok, donc on va vendre, c'est ça? Bah oui, c'est clair. Donc on va où pour ça? À la forge? Ouais, la forge pour le bouclier. Oui. Ou pour le reste, hein. Ah oui, d'ailleurs, alors attends, du coup, je vais regarder son armure. Est-ce que je peux lui mettre ça? Yes. Nickel. Du coup, j'ai une armure plus 5. Personne veut d'une armure plus 5. Non. J'ai une armure plus 8, moi. Plus 8. Ouais. Non. Non. Pas besoin. Tu peux vendre. Ouais. Eh ben, je vais vendre. Je vais vendre le bouclier. Et le marteau, on le vend ou pas? Marteau du Fugard. Ouais, bah oui. You can use my anvil. I can also repair your armor. On peut être tous les deux sur le marchand là? Je t'ai pas kické. Oui, je suis sur le marchand là. Ok. Cool. Bah, je vais vendre une dague à 44 là, la dague du coup. Voilà. Je vais prendre des trucs à. Pour réparer? Pour réparer, voilà, je prends pas plus. Ah, oublie pas que, ouais. J'en ai 9. D'accord. Tu vois. Tacho. On n'a rien d'autre à vendre. On peut vendre la bibine ou non, on la garde. Hein. C'est toujours bien. Je peux vendre le morceau de savon. L'odeur printanière de ce qui se dégage d'un voleur bien lavé dissipe les soupçons de ses victimes. Bonus réduit les gains de soupçons lors d'un vol. Ah, je vais te filer ça, tiens.
cool. Je prends le dard. Le chanvre, t'en as besoin ou pas? Ah, c'est un accessoire de sac à dos. Le chanvre, je l'ai sur moi, une plante versatile, mais c'est pour faire de la texture. Ah bah non, de la corde, ouais, de la corde, c'est bon. C'est bah moi. Tiens, je te la file en fait, du coup. J'ai... Vas-y. Ah ouais, ça se met à la ceinture. Cool. On est... Ah, mais du coup, peut-être que... Attends, il a quelque chose, lui, là. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skilled blacksmith. If you happen to know... T'as besoin de plus de matériaux bruts? Bah, j'en ai... Ah, tu veux dire pour... Bah oui, si oui. Tu peux, oui. Ok. Oh là. Je vais regarder dans l'autre sens. Ah ouais, non, ah ouais, d'accord. Alors en fait, tu vois, par exemple, si je récupère les matériaux bruts, là. Ouais. Ça donne, c'est un roll de dés, ça donne entre plus 55 et 95. Donc si c'est 55, ça nous fait monter à 87, ce qui est bien. Ouais. Si c'est 95, c'est pas bien. C'est soit l'un soit l'autre ou c'est tout un, c'est tous les chiffres entre. C'est un, voilà, c'est ça, c'est les chiffres entre, c'est un, ça fait de plus. Ouais, 95. Donc il y a moins de chances quand même qu'on dépasse les 100. Tout à fait. On a sauvegardé? Non. Ok. Bah ça se tente. Hein. On va voir comme ça. Ce vol vous vaudra d'être recherché par la garde. Ah, ça prévient. Non alors. Ouais, peut-être pas chez le forgeron. On est peut-être pas con à ce point-là. Ouais, peut-être que c'est ça le problème. En fait, t'as raison. Ok. Alors... Ok. Tiens, forge. Ouais, vas-y, fais. Attends. Ouais. Il dit qu'il aimerait bien embaucher un forgeron. Dans son petit discours, là. Alors, je peux faire une faucille, je peux faire un couteau... Ah, c'est des trucs de lancer, on s'en fout. Je peux faire une targe, mais j'en avais déjà fabriqué. Mais je peux en faire et les vendre. Ouais, ça peut être aussi une possibilité. Mais... Allez, je vais en faire une. Ouais. Non. Je dirais peut-être garder pour faire des trucs qui pourraient être intéressants pour nous, non? On pourra vendre après. Enfin, tu pourras okay. En crafter pour vendre après, je dirais. Enfin, je sais pas. On a assez de thunes pour ce qu'on avait dit. Bah, en fait, j'allais te proposer justement d'aller faire la mission qui est au sud, libérer les mines. C'est une difficulté facile et ça fait 200 gold. Allez. Et on peut la faire avant d'aller dodo même. Ouais. Bah, go alors. Cool. On n'a rien d'autre à acheter ici, c'est bon? Non. Sud, tu disais? Ouais, direct au sud. Tout à l'heure, j'avais réussi à avoir la petite map. Je sais pas comment j'ai fait. Les écuries du plateau. Ah, t'as vu? Non. Qu'est-ce que... Dans le bois, il y a le... Regardez. Ah. Du bois là, t'as vu? Ouais, vu, je vais directement là. On n'aura même pas besoin de dormir entre les deux, c'est bien. T'as vu, il y a une pêcherie. Oh, il y a un cadavre, on va inspecter le cadavre aussi. Ouais. Tissu. Du tissu. Ok. Ouais. Par contre, faudra faire gaffe parce que moi, tu vois, j'étais dessus sur le tissu. Ah, tu vois, donc juste pour éviter. Bah non, moi, c'est juste pour éviter qu'on se. Tu sais que par exemple toi t'es sur le truc, moi je sais pas que t'es sur le truc, puis je prends le truc sous tes yeux. Oui. C'est pas grave, mais c'est comme on n'a pas l'habitude dans ce genre de jeu de. Oui. De, tu vois, il y a rien de grave, hein, oui. Mais ça c'est un peu désagréable. Alors niveau 2... Mais je l'ai pas pris. Hein. Ouais. Ah bah voilà, bah raison de plus pour faire gaffe parce que tu vois moi. C'est toi qui as dû le prendre. Ça m'a en fait, mais non mais ça m'a enlevé quand t'as éteint, quand t'as enlevé le. Quand t'es sorti du truc... Il y a des thunes dedans. Il y a des thunes maintenant. Okay. Il y a plus... Bon. En tout cas, quand t'es sorti du truc, ça me l'a fermé, moi. Ah, d'accord. Donc, c'est encore pire. Ouais. Tu vois, ça fait comme si t'avais pris, en fait. Et donc, je me suis cassé. Et en fait, non, t'avais pas pris. Allez, bah, go. Alors, c'est du niveau 2. 3 soudards, 2 pillards. Bah, allez. Ah bah oui. Non, on se pose pas de questions. J'ai sauvegardé avant. Ah bah nickel, très bien. On a que 3 points de bravoure là. Apparemment il y a eu aussi une chute de pierre.
Alors, chaque fois que cette unité s'engage, obtenez. Donc, moi, je vais essayer de m'engager avec des gens. Comme ça, on va avoir des. Ouais. Donc, Derylon, il faut qu'il s'engage. Il a des points. De toute façon, c'est. Ah, oui. Ouais. Voilà. Avia, bah non. Et Avia n'a pas de. Et qui d'autre? Émule. Ouais, c'est un peu plus difficile. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez 1. Bah, c'est comme... c'est chaud, ça. Bah non, c'est comme Chris, justement. C'est ce que bah, tu dois aller dans le tu. Hein? Adjacent. Adjacent à un ennemi sans être engagé. Ouais. Bah oui. C'est-à-dire que tu ne vas sur un ennemi que quand Derylon a engagé une cible. Tu ne vas sur cette cible-là que quand elle est engagée. Mais tu dois être côte à côte. Bah autour, peu importe où en fait. Bah adjacent, c'est pas côte à côte. Adjacent, c'est... Ouais, mais je pense que derrière aussi, ça marche aussi en fait. Ok. Parce que ah, Chris, elle a la même chose. Elle est toujours dans le derrière et à chaque fois, c'est comme ça qu'elle chope ses points en fait. Oui, oui, mais Chris, c'est pas un archer. C'est pour ça que je dis ça. C'est que c'est pas l'idéal quoi. Mais bon. Ah c'est oui, non, sur l'archer, c'est débile, ouais. Oui, c'est pour ça que c'est que je dis en fait, Mule, il a ça. Ah, c'est Mule. Ah bah oui, c'est nul parce qu'il y avait un truc, c'est. Tu prends un point à chaque fois que tu n'es pas à côté de quelqu'un, je crois. Ouais, ben, on a dû mal comprendre sur le moment. Peut-être que c'était ça et qu'on a compris que c'était différent. Ah, donc du coup, ouais. Tu vois. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc alors, on en a trois là. C'est le Soudard qui va jouer en premier. Pillard, il y en a deux dans le fond. Ils vont arriver ouais, tranquillou. Donc, alors par contre, moi... Il faut que tu bouges Mule. Ouais, Derylon, à la limite, je peux le mettre là. Et... Non, il faudrait... était bien, Derylon. Là ouais, bah non, c'est qu'il a bien bouge... là. Voilà. Ah, oui, comme ça. Bah ouais, c'est mieux, non? Ouais. Et j'aurais bien mis Chris derrière, mais j'ai l'impression qu'elle va aggro. Ouais, surtout que c'est le mec qui joue en premier. Ouais. Je vais faire ça, en fait. Est-ce qu'on peut échanger Chris et Emule? Ouais, bien sûr. Parce que Emule, tu pourras toujours t'avancer un peu pour aller tirer. Ok, hop. On est good? Ouais. Eh ben, écoute, engage avec Derylon. Hein. Ouais, je tape le pillard avec le marteau, là. Ouais, ou le soudard. Ou alors le soudard, peut-être plutôt le soudard, ouais. L'un dans l'autre, je crois que c'est kiff. Je me dis que le... ouais, ouais. Et juste, tu vois, là, en fait, si je faisais... Regarde, parce que là, on voit bien. Si je faisais motivation des troupes, je n'aurais que deux de plus. Ah, deux. Oui. Parce que dans mon cercle, il y a Nordtos et Humeus, c'est tout. Avia est trop loin et Chris est trop loin. D'accord. Mais c'est quand même pas mal, tu vois. Ouais, c'est clair. Là. On va attendre peut-être un peu qu'il soit autour, plus autour. Ouais, ouais, ouais. Et c'est bon à savoir. Ok, tac, et ben le soudard. Bobo. Hop. Ouais, et du coup, on a un point de plus. Close. Ok. Donc là, Chris, elle peut pas aller derrière. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux là? Je pourrais prendre Nordtos et aller sur... Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Pas oublier qu'il tape en zone aussi, lui, en fait. Il tape comment, il tape? Ah oui, c'est un cône, ok. Enfin... okay. Ah, ou alors, je le mets là. Comme ça, ouais. Il est pas engagé. Et je devrais pouvoir taper les deux, là, en fait. Ah ouais. Je regarde... Ouais, normalement, c'est bon. Allez, on fait ça. Tu vois, en fait, le carré des ennemis, il devient orange si tu ouais. l'engages, en fait. Ok, d'accord, je savais pas. Allez. Oh, merde. Ah. Ok. Ça n'a pas marché comme je le voulais. Merde, pourquoi? Attends.
C'est débile, ça touche le carré, quoi. Donc là, en fait, je te... Ok, faut que je l'avance, en fait. Ok, on va l'avancer. Bah, je vais être obligé de peut-être d'engager. Oui. Ah, tu fous de ma gueule. Ah, tu peux pas taper. Pas les deux. Ah, merde. Alors que tu... C'est un tourbillon. Non, c'est un demi-cercle. Ah, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Ah oui, c'est un vrai demi-cercle, là, du coup. Je peux aussi cramer un point de bravoure. Le point de bravoure temporaire, là. Bah, on en a 4. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est, ça me paraît pas mal. Un 6-7 et déstabilisation sur... Donc, ça va virer la garde, donc ça va être le 11%. Sur lui. Ouais, c'est ça, ça lui a viré. Ok, cool. Donc. Ouais, bon. Alors. Ok. Donc là, il faut Avia... il faudrait tirer sur le pillard qui a la déstabilisation. Hein. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que Avia, s'il se met, par exemple, si Avia il se met là, ça va être un problème pour l'archer. Mm-hmm. Alors qu'en fait, il vaudrait peut-être mieux que l'archer tire d'abord. Et qu'ensuite Avia il vienne se placer là où quand ce sera son tour. Ou Chris. Ouais non mais tu vois ce que je veux dire, ouais. Quand ce sera son tour. C'est pas con. Vas-y. Que ce soit Avia ou Chris en fait, faudrait mieux. Ouais. En fait faut ce que je reformule, faudrait que personne se mette là pour l'instant. Je suis d'accord. Et donc du coup. Vas-y. Pêche à le QQ. À lui, ok bah du coup je vais quand même bouger là. Ouais, je vais quand même bouger là parce que sinon je ne peux ça pas. Ça va le déplacement, et... il est mieux là maintenant. Ouais, carrément. Allez, et du coup, je fais combien de dégâts d'ailleurs, moi? 6-10, ok, ouais, toujours. Ça va crit, là. Oh, non. Bam. Bah... Mais bon, cool. Non, ça va crit. Pas besoin que je rebouge. Alors, par contre, je peux faire un tir de barrage, là. Mais c'est 2, hein. Ouais, voilà, non. C'est 2. Pas besoin. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Oh, joli. Oh. C'est quoi, ça? Bah c'est le gars qui a tiré, qui a tapé. Non, non, mais ça a bugué, moi, l'écran. Ah, j'avais donc il y a le Soudar qui a tapé, Derylon. Ok. Et non, là... en fait, j'étais resté bloqué sur Mule et il... Ah. Il, comme s'il voulait me faire déplacer, mais en rouge. Et du coup, c'était pas possible, puisque c'était pas mon tour. Du coup, moi, il me restera Avia. Bah, moi, il me reste Chris et Humeus. Donc, il vaudrait peut-être mieux que Chris joue d'abord. Ouais, alors si je la bouge, ça veut dire que je la mets sur le côté en fait. Et j'ai l'impression que j'aggro du coup. Ouais, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que Avia aggro alors ouais. Mais oui. Ce qu'il y a, c'est qu'après, si Avia va là par exemple, toi t'auras pas la place. Avia peut être aussi là, mais elle pourra pas taper. Ouais. Par contre, Humeus peut être là et taper. Après, il y en a deux autres. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'ils viennent pas. Bah, ils vont venir après. Et bah peut-être que Avia justement pourrait plutôt se mettre là quoi. Ok, tu tapes aussi à distance? Non, non, j'ai pas d'allonge avec ça je pense. Bah j'ai, non, j'ai, non, non, j'ai t'as pas, pas ouais. Ouais bah si tu veux, ouais, vas-y. Je sais pas hein, ouais, on essaye, allez. Moi j'aurais... Ça ouais. Bah... Ça marche aussi, ouais. Ah bah si, regarde, bien sûr que c'est une bonne idée. J'ai un... Je peux taper les deux en même temps, là. Ah, mais non, putain. Non. C'est Derylon. Fuck. Ah, ouais, mais non. Non, bah non, non, c'est con ce que j'ai fait. En fait, là, en fait, il y en aurait dû taper le pillard, parce qu'il a plus d'armure, rappelle-toi, aussi. Il a plus de garde. J'ai oublié. Ouais. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est taper le Soudar, mais... donc... Mm-hmm. Ah, non, attends. Attends. Je peux faire comme ça. C'est tant pis. Je vais pas taper... Putain, ça fait tape. Même quand je me mets comme ça. Bon, je vais essayer comme ça, voir ce que ça donne. J'ai une curiosité. Ah, c'est bon. Cool. Ça pique. Ouais, et en fait, c'était un peu bizarre parce que. Oh. Ciblage. Ah, alors, au prochain tour, il va taper en fait. C'est ça que ça veut dire. Ah, bah là, tu peux. Là, tu peux le. Ah, oui, là, je. Ah, oui. Ah, je peux le. Oui, oh là là. Ouf. Je sais pas si tu vas le tuer par contre. Non, mais. Qu'est-ce qu'il a? Ah ouais. Ah ouais.
puis. Et ben du coup. Et puis en fait, je peux même, tu vois, me barrer après, quoi. Ouais. Donc eux, ils arrivent. Ah voilà. Bah, ils ont du chemin. Ah oui, c'est bon. Et ils vont peut-être même se prendre un éboulis, quoi. Ok, il reste plus que mon perso là, c'est ça? Bah, le pillard, hein, tu peux te le faire. Hein. Ah oui, grave. À distance. Tu vas le pousser. Ah ouais. Enfourchage. Allez. Et puis, puis je vais m'apprêter à faire le tour. Imagine. Ah, je vais peut-être te bloquer, merde. Mule. Bon, c'est fait de toute façon. Ah, de toute façon, c'était pas mon. Tu vois, là, j'ai eu un point de bravoure. Parce que. Attends, je vais te dire. Regarde, il a soutien valeureux. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, ouais. Tenez un. Donc c'est ça qu'il aurait dû prendre, Mule, en fait. Ouais. Ok, alors. Ce qu'il a, c'est que chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez un. Donc on a du mal le mal lire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il joue après? C'est les mecs de l'autre côté, là. Ah ouais. Donc, faut faire gaffe, parce que l'éboulement, il est derrière. Bah ouais, mais il va, c'est les deux soudards qui vont se le prendre. S'il joue pas, ouais, s'il bouge pas, mais... bah oui, ils n'auraient pas bougé, ils sont engagés. Donc oui, ouais. C'est bien. Mais... Ça veut dire aussi qu'on peut pas aller dans le dos. Bah, si t'es mobile, tu peux aller dans le dos et te barrer, hein. Ah, c'est pas faux, ouais, t'as raison. Là, tu fais pas une grande distance, tu pourras te barrer après. Je fais ça avec Chris? Ouais. Ouais, c'est pas con, putain. Mais GG, quoi. Je me mets là. Ouais. Ok. Merde. Ok. Allez, bah prenez votre temps, les amis. Alors... Alors là, par contre, tu vois, là, moi, mon Derylon, s'il fait motivation des troupes, là, il fait 3 points en plus. D'accord. Bah. Oui. C'est gratuit, on a dit. Hein. Oui. Ouais, bah, go. Ça va finir 3 points temporaires, on va se lâcher dessus. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tac. Ah, nickel. Ah. Tu vois? Et ça me. D'ailleurs, ça me nique pas mon tour. Si, c'est à toi. Oui, voilà, mais c'est à toi de jouer maintenant. Ouais, mais tu vois, ça, je veux dire. Ouais. Ah oui, ça me. Voilà, c'est cool, quoi. Ouais, carrément. Bon, je sais pas si on est mal en point. Y a pas besoin, mais je pourrais faire encouragement, tu vois, là, ou protection, quoi. Enfin, encouragement, je veux dire. On serait tous inclus, ouais. Quoi. Ouais, y a pas besoin, ouais. Je peux pas t'en taper, là. Et je vais taper celui qui est en face. Hein. Oui. Bam. Cool. Voilà. Mais je peux le finir après avec, je pense, là. Avec. Bon, je pense. À moins que les boulissants. Ah bah non, c'est dans longtemps. J'y vais? Ouais, vas-y. Je pense qu'Avia va plutôt faire face au Soudar qui arrive. Je peux faire une frappe déstabilisante en plus. Oh oui. De toute façon, là, ouais, on les défonce. Hein. Ouais, je pense que l'éboulis il va arriver trop tard. Ça, c'est con, je trouve. Le délai des éboulis, vraiment, enfin, de ces événements-là, c'est insignifiant, quoi. Ouais, c'est enfin, pour l'instant, mais sur d'autres combats, ça serait peut-être plus. C'est aléatoire aussi, tu vois. Peut-être, ouais. Je veux dire, ils sont. C'est très lent, quoi. Ouais. Mais bon, peut-être que oui, il y aurait des fois où ça sera vraiment beaucoup plus court. Ouais. Tu veux te le faire avec Mule? Ouais, je pense que c'est bien là. C'est bien. Et d'ailleurs, je me demande. Attends, non, avec Mule, on a dit. Ah bah non, ah bah si. Si je tire et que je rate, je touche Umeus et Nordtos. À moins que je fasse viser, donc j'aurai une grande amie. Fais viser. Ouais, je pense ça. Ouais, voilà. On saura. Ça, c'est pas mal, ça, parce que du coup, bam. Ouf. C'est vrai que ça influence vraiment. Ça augmente les dégâts. Je pourrais bouger. Oui, en fait, je sais pas si ça augmente vraiment les dégâts. Mais en tout cas, je ne touchais plus les autres à côté.
Est-ce que je me mets pas plutôt comme ça ouais, avec le C pour intercepter? C'est peut-être pas plus mal. Ok. Derylan peut jouer? Non, il a déjà joué en fait. Il a déjà joué. Par contre, j'ai Avia. Faut les attendre là. Tu peux pas aller tanker avec Avia. Ouais, je pense aussi. Non. Du coup, je peux peut-être me mettre. J'avais pensé me mettre plutôt comme ça, tu ouais, vois. Carrément. Et puis moi, je vais faire pareil. Je me mets là. C'est là que je pourrais faire un tir de barrage. Coucou la pierre. Ah, c'est sûr. Je pourrais... Ouais, qui... je pourrais me foutre par là et faire un tir de barrage. Tu carrément, vois, on va tester, voir ce que ça donne. Est-ce que si je me mets... Ouais, je vais comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ah oui, c'est l'Argos. Ouais, ouais, carrément. Ah, puis on le voit, c'est cool. Tu le vois? Ok, c'est, ouais, ouais. C'est ce que je me demandais, quoi. Ouais. Ok. Eh bah, du coup, on attend, hein. Ah ouais, on attend, donc on va déplacer... je vais déplacer... Chris, par exemple. Je l'avais là. Tu vois... Ah merde, hop. Ensuite... Bah mets le, tu mets Derylan en face de Humeus, tu vois. Ouais, ouais. Genre là, là. Ouais, un peu à droite. Ouais, un peu à droite qu'il puisse passer. Ça ouais, voilà, ouais. Comme ça, ils sont obligés de foncer sur, sur le Prumps ou alors sur l'archer, quoi. Et puis, lui, il bouge pas. Oui, je suis sûr. Hein. Allez, hop. Et vous, Avia, qu'est-ce que je pourrais faire, hein? Je reste là? Avia, il est où? Ouais, mets-toi un peu plus... ouais, ouais, très bien, là, je pense. Wow. Parce que ça va donner là, on va voir. Hein. Curieux de savoir si ça. Je sais pas s'ils vont nous atteindre normalement. Ah hein. Oh, pardon, c'est à moi de. Ok, pardon. Yes. Yeah. Ok, ça c'est un bon plan. Et c'est bien parce que tu vois le tour de tir de barrage. Il reste. Bah ça. Ouais, il reste. Trop cool. Donc, il doit rester pendant pendant le tour, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que moi je fasse une autre action. Donc là, dans ces cas-là, il faut que je joue en dernier. Ouais. Donc ce qui est problématique à des moments, quoi. Je sais pas, faut voir. Qui est-ce qui doit jouer là? Et ben là, c'est Derylan. Non, Derylan. Non, Derylan, il peut pas jouer. Là c'est Avia qui peut jouer. C'est à Avia de jouer là. Eh ben tu le. Attends, deux secondes. Attends, je reviens, deux secondes. Tiens, un chat qui fait chier. Vas-y. Je pourrais me foutre par là. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est raisonnable de se foutre là comme ça. Heureux, désolé. Ouais. Tu vois, je sais pas si c'est raisonnable de se mettre comme ça, là, c'est un peu trop exposé. Non, c'est bien. Là, comme ça? Bah ouais, parce que... Puis tu le tapes. Allez. Oui, c'est vrai qu'on... Oui, il ne sera pas engagé. De toute façon, il reste deux, là. Allez, bim. Ouais, ça fait mal. Je pourrais même faire l'enchaînement, mais bon, on va s'amuser. Allez, bim. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ces tirs-là, moi. Ok. Voilà, puis là, on les défonce, là. Je peux pas passer avec Chris, fait chier. bon, si, remarque. Je le défonce là, le soudard avec Chris. Vas-y, ouais. Il tombe comme une merde. Que dalle. Je peux même aller. Ouais, non, ça serait dommage ça.
Je vais juste aller là pour le fun. Hein. Dire, ah, regarde, je peux marcher vite et loin. Ok. Bah, Derrylon, on va pas non plus. Ah, mais il va taper, donc il faut bouger Avia du cône. En fait, faut que tu fasses le tour avec Derrylon. Pour aller le taper, je pense, dans son cucu. Coucou, cibleur, comment vas-tu? Je me demande s'il va. Il va garder son cône, ce con, en fait. Donc, faudra ah, quel con. Ouais, faudra pousser Avia. Je peux le taunt, hein. Est-ce que ça va changer? Bah, vas-y, ça coûte un point. Ouais. Bah, utilise-le pour voir si ça. Ah, ça annule pas le truc, t'as vu? Ouais, ah, c'est fou, ouais. Donc là, il faut que tu joues Avia et que tu le sortes du cône de dégâts. Donc, parce que sinon, Avia, je peux lui envoyer un déchaînement. Hein. Tu crois que tu le tues avec ses 9 PV? Bah, ça fait 3 fois 5 ou 8 dégâts. Ah bah vas-y alors, vas-y, fais ça. Ouais, ça fait un moment quand t'as pas vu cible, là, effectivement. Ça va bien, bah, tant mieux. T'arrives un peu à la fin, là, on va pas tarder. Attends. Ah, voilà. Je me disais, putain, mais comment c'est que ça marche pas? Oh, c'était nul. Ah, ah si. Bam. C'était bien. Ok. Eh ben, nickel. Une hache. Alors, attends. Et une grosse armure. Ah, yes. Je les prends et je les fous dans la banque. Hop. Toc. Les restes humains, on s'en fout. Merci pour la réparation. Mais ça y est. Vous êtes terminé, la mission libérée. Mine des écrins, retournez voir un émissaire pour récupérer votre récompense. Oh, il y a des trucs ici, rien. Minerai de fer. Minerai de fer. C'est toi le. C'est toi qui ramasse? Eh ben. Il y en a plein partout. Ramasser. Non, il faut être mineur. Oh, et on n'a pas de mineur. Attends. Attends. On n'a pas de mineur? Non. Eh ben, peut-être que maintenant on va en avoir un. Tiens. Ah, bah ouais. Nortos là. On n'a plus de bûcheron par contre. Ouais. Ok, alors je mine. Ah bah c'est comme le bûcheronnage. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Merde. Ah, fuck. Mais il y en a plusieurs. Ouais, ouais. Hop. Je me dépêche. Non, t'inquiète. Merde, putain. Merde. Ouais, c'est pas facile. Non, je suis trop nul à ce genre de jeu. C'est tombé, faut que je me lève à 7h45, t'es pas fatigué, ah merde. Putain ouais, 7h45 et boule. Ah ouais, yes. Pas top. Ouais, j'ai dormi très peu la nuit dernière moi aussi. Y'en a d'autres ou pas? On sait tout. Non, y'en a plus. Ouais. Et je vais te filer le minerai et le bois. Tac. Tac. Ok. Donc faut qu'on rentre en ville. C'est par où? Au nord, c'est ça? Au nord. Ouais. On rentre, on valide et puis on stop. Yes. Okay. Et il faudra qu'on aille voir la pêcherie là parce que moi j'ai envie de pêcher. On fera ça la prochaine fois. Ouais, c'est par là, ouais. Ah non, c'est pas par là. Ben non, ouais. Merde, faut qu'on campe. Ah ouais, et ben... Bah, vous campez, là, ouais. Là, à côté du champ. Allez. Ok. Je regarde s'il faut bricoler des trucs. Non, les crochets, on n'a pas utilisé. Un son de pêche, bon, j'en ai deux. Non, j'en ai un. Parce que j'en... Je vais peut-être pas en faire un autre.
Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ok. J'ai 5 minerais. On est... Attends, il y a combien de minerais t'as récupéré? Ah non, t'as récupéré plein de minerais. Bah si, je vais en faire. Un truc avant. Ouais, on est... Ah, on a de la bouffe. Ah, on a de la viande aussi, en fait. J'ai oublié. Je vais faire ça, du coup. Allez, je refais un dernier. Et puis voilà. Une carcasse, miam. Ah non, Berk. Moi, je suis prêt à reposer, si tu veux. Deux secondes, je remets les trucs en place. Voilà, ok. Repos. Ah, oh, un loup, combattre. Tu veux le faire? Enfin... Bah, de toute façon, on n'a pas à distraire... Non, on peut pas. Il faudrait se délester de porcs. Non, on combat. Hein. Okay. Il y en a deux. Oui, s'il y en a que deux. Et c'est vrai que pour ça, c'est un trait qu'on avait choisi. Bah, tu vois, au final, ça nous a pas tant emmerdé que ça pour l'instant, donc c'est cool. Ouais. Nina. Lol, Marc. Marc, est-ce que tu veux ton nom sur un des personnages? Alors, on a juste deux loups, en fait, c'est tout? Ouais. Oui, bon, c'est pas chier, on engage direct comme ça, tu fonces avec des Rylon, là. Ouais. Mule, il est... Chris, elle est où? En attente de Elkinou, rapport de camp. Ah bon? Ouais, bon, bah, je... Ouais, non, mais c'est pas grave, je force. Surprise dégâts augmentée de 10%. Moi, je suis en... T'attends pour quoi faire? Je comprends pas. Non, c'est bon, je l'ai validé. C'était le compte-rendu de notre dodo, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Eh ben, go, alors, je vas-y, hein. J'aggro, hein. Ah oui. T'aggro, tu tapes. Ah oh oui, ça va être vite plié, ça. Ouais. Vas-y, avec Avia. Ou shoot avec Mule. Ouais, je vais me déplacer avec Mule. C'est... Ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu veux... Oula, bim. Comment... Marc, est-ce que tu veux... Je te propose... Humeus, qui est un lancier. Je te montre, il ressemble à ça. Alors, pour l'instant, il a une fourche, mais un jour, il aura une vraie lance. Donc, lancier niveau 2, Humeus. Ou alors, tu as Nortos, mais tu en changeras le nom, hein, qui est un monsieur avec une épée à deux mains. À toi. À mes 20. Bon, bah, je vais... Je vais tester un truc. Ah, je testerai bien, mais ça va prendre un point de bravoure pour rien. Donc, Mais il y en a un temporaire. Ouais, mais juste un en fait. Bon, on les laisse s'enfuir, hein, c'est des loups. Hein. Ah, pardon. Non, j'ai... Ah, okay. Le temporaire, ouais, mais mon truc, je voulais tester, ça prend deux en fait. C'est ouais. Effectuer deux attaques supplémentaires. Je voulais voir si ça pouvait donner. Je pouvais buter les deux en fait. Mais... Donc là, de toute façon, c'est à quelqu'un de jouer. Donc. Bon, bah, tu veux le monsieur à l'épée à deux mains? Ok, je peux pas changer maintenant. Ok, je peux pas changer maintenant. Bah d'ailleurs, on va te le montrer, comme ça je vais tuer la cible. Tac. Et il a damé un coup de botte. Le style. Alors, victoire, carcasse, graisse, cuir. Tu vois là, tu préfères que je loot ou tu veux que tu loot? Ou comment on fait? Parce que je veux pas... Eh ben non, on s'en fout de ça. C'est pas là, c'est pas de ça dont je parlais tout à l'heure. Ah, c'était pour les trucs par terre. Ouais. Ok. C'est juste, on regarde voir si l'autre est dessus et puis on, tu sais, on. Ouais. Les crocs qu'on a récupérés, c'est pas des objets de quête. Je pense pas. Je sais pas. Attends, ça me dit quoi? Un croc d'animal sauvage qui peut servir de monnaie d'échange auprès des trackers. Ah si. T'as raison. J'ai fait un clic droit sur Derrylon parce qu'il y avait un point d'interrogation et il veut parler. Ah, vas-y, tu le fais parler. Ok, désolé, je pensais que ça allait... Non, t'inquiète, on avait eu ça déjà, mais faut que tu le fasses parler. Alors, non seulement je suis un combattant hors pair, mais en plus je me débrouille en artisanat. Je ne vois pas qui pourrait refuser de m'épouser.
Ah tiens, parce que les récompenses sont différentes. 2 de bravoure, 3 de bonheur. 16 d'XP forgeron. Et 30 de connaissance et 10% de fatigue. J'aime bien la troisième, moi. On prend de la fatigue. Hein. Ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est si pas... on va, c'est pas comment... comment on appelle ça? C'est pas définitif, non? La fatigue, elle est où d'ailleurs? Où est-ce qu'elle bah, est? Je pense que c'est le truc en dessous du... Tu sais, c'est avant de se reposer, quoi. Ça nous ouais, voilà. Ajoute 10% à cette barre-là, quoi. Bon. Ouais, ça, et hein. Sinon, bah, remarque, se réjouir, eh bien, ça coûte... mais plus 16, est-ce que ça... qu'est-ce que ça vaut, plus j'en 16? J'en ai aucune idée. Plus 16, non, mais moi, prends ce que ton instinct t'a dit en premier, c'est ton perso. Ouais. Ok. Alors, Nortos, je le change, le nom. On l'appelle comment? Marc le chat? Ou juste Marc? Est-ce que je peux mettre... attends. Ou comme ça. Marc le chat, hein? Ouais. Allez. Nortos a adopté Marc le chat comme surnom. Et ses compagnons aiment bien. C'est très bien, bravo. Alors, on va être... ah non, c'est bon. Je pensais qu'on allait être connard en bouffe. Oh. Mais oh, on va gagner, on va digne niveau 2 en mystère et connaissance. Je cool. Clique. Allez. Ouais. Niveau supérieur débloqué. Passer au niveau supérieur. Nom de Dieu. Yeah. Ça nous a débloqué. Oh, ça nous a débloqué encore des trucs à apprendre. Pour un point violet. Juste une égratignure, mieux vaut prévenir que guérir. Bonus, les compagnons sont moins enclins à subir des blessures en combat. Instinct animal, respecter la nature, c'est savoir comprendre sans la comprendre sans la détruire. Bonus, les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Ascétisme, vos compagnons apprennent à se satisfaire de moins de nourriture. Les troupes mangent 3 de moins. Langage des trackers, ouais c'est pas mal ça. Votre troupe est connue et reconnue auprès des trackers. Prix d'achat des objets de la guilde des trackers réduit de 10%. Dératiseur, personne ne veut s'introduire dans ces nids sordides, c'est d'autant plus de prestige pour votre troupe. Bonus, nettoyer un nid de rat rapporte également 50 d'influence. Bon, on prend l'ascétisme. Ouais, je pense. Et est-ce qu'on a un point? Je vois pas où sont les points. Ça prend des... Ouais, ça a l'air d'être bon. Après ascétisme. Nickel. Ok. Ouais. Tu veux stop là ou aller en ville? Non, on va stop là. Ouais. Là, je sauvegarde. Je suis obligé de sauvegarder sur le. Parce que qu'est-ce que tu voulais faire en ville? Non, bah. Banquer notre quête, en fait. Ouais, c'était non, ça, on était parti pour ça. Elle est où la ville? Ah, bah si, on peut. Elle est pas loin. Oui, c'est vrai qu'on s'est pas arrêté encore. Bah si, okay. On fait ça rapidement. Elle est juste là. Et donc, comme ça, on restera à l'auberge, j'imagine. C'était bah oui. Où elle était à l'auberge, la quête? Ouais. Bah voilà. Je sais pas si on peut sauvegarder à l'auberge, par contre. On peut pas sauvegarder dans le camp, c'est débile. Bah sauvegarde maintenant, du coup. Ah non, elle est... Après, ouais. Alors, taverne. Émissaire. Might she be looking for work? Our role as emissaries is to ensure collecter that les primes. Ouais. Allez, bim, on se sent mieux. Putain, est-ce que bien. On peut reprendre un autre contrat s'il faut. On a une note facile. La bande de Léo, les agissements de la bande de Léo doivent être arrêtés au plus vite. Ah non, on l'a ah déjà oui. En fait, autant pour moi. Ah oui, ouais, on l'a fait. Non, on n'a pas d'autre facile en fait. Donc, que dalle. Ok. Ok, alors est-ce que je peux sauvegarder ici? Yes. Je peux sauvegarder okay. Là. Hop. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, ouais, c'est vrai qu'il est bien ce. Il est bien, mais de toi à moi, je pense qu'il va durer plus longtemps que ce qu'on pense. Oui, bah c'est possible. C'est vrai que il y a. Ouais, ça fait pas mal de trajets et puis les combats, ça quand même prennent du temps quand même. Peut-être bah, qu'on va. Les combats, on va un peu plus les rusher parce que bon, on va être un peu plus à l'aise, tout ça. Si ça se trouve. Ouais. Et je pense que là, on en a chié sur le combat, là où on a perdu Brom, c'est parce que c'était un truc de scénario principal, ou, voilà.
Et en fait, je pense qu'on était peut-être censé faire d'autres missions en attendant et grimper un peu d'XP. Enfin, farmer un peu d'XP avant, en fait. C'est possible, ouais. Mais ouais, on t'aime toujours. Ah ouais, carrément. Ouais, ok, cool. Ouais. Mais ouais, ah ouais, c'est frustrant de. C'est frustrant, ni d'y jouer plus. Bah, on va voir. Ouais. Ah, puis j'aurais bien fait dimanche, mais vraiment, j'aimerais bien finir Duke Nukem. Donc, non, mais vas-y, ouais, fais-le. Ouais. Enfin. C'est bien, c'est une bonne idée. Eh bien, cool! Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était elle qui nous accompagnait de. De Mu. Oh oui! Pour l'épisode numéro 3 de War Tales. Merci. Merci.